tout le monde, bonjour. Salut Tom, coucou Mika, qui est juste devant moi d'ailleurs. Coucou Popo, gros bisous, je t'aime Popo. Coucou Professeur Dante, coucou Anayem. Bienvenue sur ce live ce soir, un live un petit peu spécial, puisque je suis bien entourée, comme vous pouvez le voir. Alors il y a une personne également qui est là, et qui se cache un peu. Voilà, qui se cache un peu. Hop, hop là, voilà, vous ne la voyez plus. Ce soir, c'est une petite soirée, genre recommandation de lecture, discussion lecture, tout ça avec mes potes, puisque aujourd'hui, on a fait un marathon Heartstopper. On a regardé la dernière saison de Heartstopper. Nous n'avons pas fini, nous en sommes à un épisode et demi de la fin. Et c'était banger, c'était banger. C'était très très bien. On va vous présenter du coup quelques petits livres. Je vais vous présenter bien sûr mes potes qui sont là avec moi. Aujourd'hui, ils sont stressés. Alors, soyez gentils. Soyez gentils. Ils sont très stressés. Ils sont très stressés. Alors, je vais les laisser du coup. Ah, je recule le micro, je parle trop fort. Excusez-moi, pardon. Salut Angeline. Voilà, donc je vous disais, mes potes sont très très stressés ce soir. Alors du coup, faites-leur le meilleur accueil, soyez mignons, mais bien sûr, je sais que vous êtes toujours mignons, évidemment. Je vais les laisser se présenter à vous, puisque bon, c'est bon, hein, c'est bon. Tous les dimanches, vous voyez ma tronche. Voilà, 2 à 3 fois par mois aussi sur YouTube. Hein, il est important aussi de présenter d'autres personnes à un moment donné. Il y en a assez, il y en a assez. Alors, est-ce que je vous laisse vous présenter ou est-ce que je vous présente? Et je vous laisse vous présenter après pour vous faire une introduction, parce que je sais que vous êtes stressée. J'ai une petite intro, oui. D'accord, j'ai une petite intro. Alors, de ce côté, vous avez Sacha, qui, ou alors non, on essaie de deviner, tu peux, ça peut être compliqué. Ici, vous avez Sacha, qui est un adorateur de manga, bien sûr, mais pas que. Et qui, du coup, vous fera ses petites recos, du coup, tout à l'heure. Et donc, Sacha, est-ce que tu peux te présenter brièvement, bien sûr, dire ce que tu aimes en termes de lecture, où tu te situes. Allez, vas-y, mon beau. Du coup, moi, c'est Sacha, et qui est Sacha Yomi sur Instagram, du coup, pour qu'on fasse notre promo. Du coup, Sacha Yomi, jeune libraire, parce que je le suis depuis ça pas très longtemps. Dans mon boulot, je suis spécialisée manga, et c'est... une grosse partie de ce que je lis, on va pas se mentir, je lis surtout des mangas, un peu de BD, un peu de poésie, et souvent, si c'est de la non-fiction, ça va être sur les thèmes queer ou sociaux. Mais on va dire qu'on va rester sur le manga, parce qu'honnêtement, si j'essaie de parler de quoi que ce soit d'autre, ça va juste être cringe, parce que je suis nul en tout à part ça. Voilà. La description menteur. La description. Alors sinon je suis nulle en tout à part ça. Voilà, je vais vous situer. Nous avons ici qui se cache. Un visage s'impose. Un visage s'impose. Le Tom tout doux en fait. Tout doux. Margot qui est juste ici, juste derrière moi et qui se cache. Mais qui est là? Qui est là? Qui, donc du coup, elle aussi a des goûts très éclectiques, vraiment très éclectiques pour le coup, elle lit vraiment de tout. Elle lit beaucoup plus de poésie que nous également, plein de choses. Coucou René Gider, elle lit plein de choses. Est-ce que tu peux aussi donc dire aux personnes qui nous regardent un petit peu ce que tu lis, quelles sont tes préférences, tout ça, te présenter brièvement? Voilà. Coucou, moi c'est Margot, je suis libraire BD et manga. Mais je lis autant de romans, d'essais, de poésie que de BD, manga. Donc mes goûts sont plutôt vastes. Je lis énormément de littérature féministe pour le coup. Donc voilà, j'ai mes petites thématiques préférées. Mais c'est bien comme petite présentation. Oui, c'est vrai que Margot est très loin, effectivement. Je comprends, Mika. C'est vrai que le micro est un peu loin. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Vraiment, Margot derrière. Ah ouais, au fait. Alors du coup. Bonjour villageois. Et donc nous avons juste ici à côté de moi, nous avons Bérénice, qui est une personne extraordinaire comme toutes les personnes que je vous présente ce soir, et qui elle aussi du coup va vous faire ses petites recos. Est-ce que tu peux dire aussi tout pareil aux gens ce que tu aimes, ce que tu apprécies brièvement, tout ça, faire une petite présentation de toi-même. Et tu peux te rapprocher du micro bien sûr évidemment, si tu veux. Alors, du coup, moi, c'est Bérénice, enchantée. Je travaille dans une librairie aussi. Je ne suis pas libraire, du tout. Je bégaye si je suis un peu nulle, c'est normal. Je travaille en caisse.
pas très passionnant, mais j'aime beaucoup lire. Je lis beaucoup de romans, plus d'amour, j'avoue. Je suis un peu cucu. Oui, le love. Le love. Le love, des mangas aussi. Du théâtre. J'aime beaucoup le théâtre. Et voilà, quoi, un petit peu tout globalement, mais bon. Voilà, très éclectique ce soir, comme vous pouvez le constater, donc. Des goûts très éclectiques. On va présenter nos petits coups de cœur, nos petits goûts, tout ce qu'on aime, tout ça. Oui, il y a du monde, effectivement, Lola, ce soir, effectivement, il y a du monde. Ben, du coup, j'ai amené mes potes avec moi en stream ce soir. Parce que, comme je le disais, on a fait un marathon Heartstopper. Et là, du coup, on fait un petit stream ce soir ensemble et tout pour terminer la soirée. Je me disais que c'était cool, du coup, de les amener, puisqu'ils sont passionnants et passionnés. Mmh. Et que, du coup, ils ont plein de choses à vous... Ils ont plein de choses à vous recommander. Oui, Margot est derrière, mais elle pop à tout moment, effectivement. Elle fait des apparitions et c'est très drôle parce que vraiment, ça fait vraiment comme si quelqu'un se camouflait derrière moi et vraiment apparaissait comme ça, en mode photobombe, genre. Vous ne se prévoyez pas. Une surprise, quoi. C'est plein de surprises, finalement, ce stream ce soir. C'est plein de surprises. Pour, comme à chaque début de live, les lectures du moment, donc... J'ai commencé ça, cet après-midi. Du coup, ah mais trop bien, professeur Dront. Bravo, trop bien. Ah, trop mignon. Trop bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très chou. Vraiment, merci beaucoup, professeur Dront. Trop bien. Et donc, j'ai commencé Boucher de Joyce Carol Oates, qui est une histoire absolument glauquissime, où on va parler du coup de pour changer, bien sûr, pour changer, évidemment. On parle de, à l'époque, les médecins, voilà, les gynécologues qui étaient extrêmement... violent envers les femmes, et du coup c'est inspiré de vrais gynécos qui ont existé, du coup, et Joyce Carol s'est inspiré de vrais gynécos, et c'est sous la forme d'un journal, du coup, que le fils le petit-fils de gynéco, du coup, écrit. Donc pour l'instant c'est vachement bien, j'ai lu que 30 pages, donc je ne saurais vous dire, mais pour l'instant c'est très très bien, c'est très très chouette. Donc voilà pour la petite lecture du moment. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment, du coup, vous? Toi, Sacha, qu'est-ce que tu lis en ce moment? Ma dernière lecture, c'était hier. J'ai fini le tome 3 de Gokurakugai, qui est un manga, un shonen. Somme toute classique sur le scénario. Vraiment, à chaque fois que j'en parle à des gens, je leur dis que c'est dans un quartier où il y a des démons et les deux personnages principaux font partie du bureau des résolutions qui s'occupe de ces affaires. Mais en fait, le scénario part vite en couille et les antagonistes sont très, très antagonistes, très méchants. très méchant. Mais du coup, les deux premiers tomes qui sont sortis, la dernière fois que j'en parlais, c'était genre, disais que ça faisait un peu introduction, les deux tomes, parce que ça part pas tout de suite en couille. On va dire que le premier tome, c'est introduction des protas, et le deuxième tome, c'est un peu introduction des antagonistes, et là, le troisième tome, du coup, là, ça commence à partir. Et j'ai lu ça hier, trop bien, tous les personnages sont trop charismatiques, on n'arrête pas de dire que tous les personnages sont hot. Genre, quelle belle journée pour être bi, vraiment. C'est ça qu'on veut, quoi. et sinon, en roman, j'avance ultra lentement. Il fait genre 500 pages et je lis tellement lentement que ça fait 6 mois que j'ai commencé. J'en suis à la page 200, je crois. C'est Garçon de Cristal, de je ne sais plus comment il s'appelle. Mais c'est un long roman qui se passe à Taïwan et qui parle... Enfin, c'est pas explicité, on le sait en lisant la quatrième de couverture, parce que je pense que l'éditeur a fait exprès de le dire tout de suite, parce que c'est pas explicité dès le début, mais on parle en gros de la pauvreté à Taïwan dans les... c'est pas contemporain, c'était dans les années, je pense, 80. Et donc du système de proxénétisme qui en découlait. En fait, les personnages sont des jeunes garçons à la rue qui ont été recueillis et qui en soi mènent une vie pas dégueulasse pour eux, mais qui font quand même partie d'un système de proxénétisme pour eux. Et c'est très très cool, c'est très bien écrit, et c'est vraiment une vibe de... Parce que c'est très bien écrit, on a envie de suivre, mais il se passe des choses très lentement. Mais c'est très cool. Mais du coup, le roman, il est long, genre? Je crois qu'il fait dans les 450 pages. Ah oui, quand même, ouais. Effectivement, ouais. En fait, je sais que sur ma liseuse, j'en suis à 30%, et j'en suis à la page 120. Ouais, donc ouais. Donc ouais. Effectivement, quand t'es à 20% et que t'en es qu'à la page 120, t'es là, t'es en mode ouais, effectivement. Ouais, non, je suis, hein, parce que moi qui suis un lecteur ultra lent, je crois que ça fait 6 mois que je l'ai commencé, vraiment je suis, parce que j'ai une capacité de concentration d'un poisson rouge. c'est infâme, c'est écrit tout petit en plus, vraiment je peux pas. Mais c'est très bien. Mais c'est très intéressant, mais je suis juste très lent. Sacha vous dit que c'est très intéressant. Et toi, Margot, du coup, qu'est-ce que tu lis en ce moment? Je vais essayer de rapprocher le micro au maximum. Attends, tu es où? Là. Tu es là.
Moi, en ce moment, j'ai commencé la série de manga Ton visage au clair de lune. Il y a Popol Artichaut et Sacha qui font que de me dire de le lire et Béré également. Donc très bien, j'en suis au tome 4, je trouve ça banger, tout le monde est incroyablement beau. Donc ça fait plaisir de voir des gens beaux et C'est surtout vrai. c'est super safe. Donc vraiment trop bien. Et sinon en roman, je lis Chienne et Louve de Geoffrine Donadieu. En gros, on suit l'histoire d'une jeune femme de 20 ans qui vient d'emménager à Paris, qui veut faire les cours Florent et qui, pour payer ses études, travaille en tant que TDS la nuit. Et à un moment, elle va trouver une chambre où habiter avec une personne de 89 ans qui est un peu frappadingue. Et en gros, on va suivre leur histoire, leur relation, comment tout ça va se mettre en place. Et c'est assez bien pour le moment. J'ai lu même pas la moitié, mais très chouette. Voilà. Ça a l'air cool. Oui, de ouf. Ça a l'air très très chouette. Il y a une vieille frappe à De dingue bien belle. dedans. Ouais. Une vieille du Ça bus. m'intrigue. C'est vrai. La parole du bios. De parler du bios. Et toi, Berry? Et moi, je viens tout juste de commencer, mais de type, j'ai lu 2 pages. Non, vraiment tout juste. Le dernier roman de Laura Wood. C'est une autrice américaine qui écrit des romans d'amour un peu adolescents. Et j'avais lu les 2 premiers tomes qui se passent en Angleterre dans les années 20. Donc un peu année folle et tout. Premier tome, on suit une jeune fille enfin, qui fait partie d'une grande fratrie, etc., qui est un peu dans la pauvreté, qui adore lire, etc., et qui écrit elle-même des romans. Et en fait, la maison à côté, qui semble abandonnée, il s'avère que les enfants des parents qui sont décédés ont récupéré la baraque. Et ça fait un peu des fêtes à la Gatsby. Du coup, elle est intriguée, elle y va, bim, petite histoire d'amour avec le mec. Évidemment, évidemment. Le tome 2, on suit sa petite sœur qui veut devenir actrice et qui se barre simplement à Londres. Et elle rencontre une troupe de théâtre et tout, c'est hyper mignon. Des troubadours, des saltimbanques. Et là, du coup, le tome 3, c'est pas du tout donc, sur la fratrie qu'on suit de base. Ça se passe 10 ans plus tard, dans les années 30. Et c'est une jeune fille, pareil, qui est dans une famille alors un peu bourgeoise, mais qui sont en train de perdre un peu tout ce qu'ils ont, donc qui commencent à être un peu pauvres. Et elle est très intéressée par tout ce qui est science, etc. Enfin, vraiment, jeune femme libérée pour l'époque. Et elle sait très bien qu'elle va finir par devoir épouser un homme que ses parents ont choisi. Elle n'est pas très d'accord avec ça. Et pour l'instant, écoutez, c'est très sympathique. Je C'est cool. recommande. C'est des petites lectures comme ça. C'est très court, c'est très rapide, c'est très sympa et c'est vraiment très mignon. Voilà. Et est-ce que tu lis des graphiques ou des choses comme ça en ce moment, des mangas et tout? Parce que je sais En que tu lis un peu de ce mangas, toi. moment, tout à fait, tout à fait. Ben, en ce moment, sur les bons conseils de Margot, Qui se cache derrière le fauteuil et qui est là. tout à fait. J'ai enchaîné les tomes et les scans de You're My Soulmate, qui a un petit Josei hyper chou. Ah oui, j'ai vu les couves. C'est adorable. Les hommes sont beaux, les femmes sont belles, l'histoire est mignonne, les gens sont safe. Il y a des rebondissements. Il y a beaucoup de rebondissements. On est très très étonnés. Non mais tout le monde est hot. Dans tous les cas, ils sont très beaux. Ils sont très beaux. Vous voulez avoir des gens beaux, lisez-les. Parce que j'ai fait une pause dans Berserk. Voilà, je me suis lancée dans cette aventure. Oui, effectivement, elle s'est lancée dans Berserk. Aventure, somme toute, mouvementée et moins mignonne, il faut dire. Traumatique. Traumatique. Très traumatique, hein, pour ainsi dire. Surtout au top 13. Voilà. Voilà. Bah, je m'en suis arrêtée après. Ouais, J'ai fait non. Non, non, non. Ah, j'imagine, ouais, ouais, parce que je t'avoue, après le tome 13, moi, c'était pareil. Hein, j'étais en mode, bon, bah, là, est-ce que j'ai envie de continuer? Bon, je sais pas, j'ai continué, tu vois, j'ai continué. Puis là, j'ai arrêté, ça fait 2 ans que j'ai arrêté. Voilà. Bon, parce que, et tu vois, je te dis ça, en plus, genre, je lis plein de trucs trop trauma as fuck, giga deep et tout, triste, horrible et tout. Mais là, ça, oh, à un moment donné, quand toutes les personnes que tu aimais, en fait, se font décimer, subissent des horreurs, voilà, etc. Bon, c'est dur. Franchement, c'est dur. Psychologiquement, c'est dur. Il faudra que je Ouais. continue un jour. Mais bon, là, pour le moment, je me suis arrêtée. Ça fait 2 ans. Voilà, je tiens à vous le Mais dire. Très bien, je vous le dis. Voilà, Moi, je vous le dis. ça fait 2 semaines, c'est Écoutez, bon. voilà, ça fait déjà 2 semaines pour Béré, c'est déjà trop. Mais Envoyez-nous. peut-être qu'en comparaison avec ce que tu lis d'habitude, comme là, c'est une longue série, t'as eu trop le temps de t'attacher aux gens, de leur Ouais. arriver des En trucs. fait, c'est horrible, Alors que c'est quand tu lis un truc que. d'horreur, tu sais déjà ce qui va Clairement. arriver entre Ben ouais, guillemets, c'est ça. et puis Genre, tu t'attaches pickles. pas à eux au début. Vraiment, vraiment. Genre, quand tu lis un Junji Ito, tu sais que de toute façon, ça se finira pas bien. Voilà, Tu le tu sais cherches déjà de pas trop base, du coup. tu vois. Quand tu lis un manga d'horreur de base, tu sais que ça va pas aller bien. Tu sais que dans tous les cas, ça n'ira pas bien. Alors que là, c'est vrai que tu les aimes bien, tu ne sais pas quel sera l'aboutissement. Et là, bim, tout le monde meurt et tu te dis, bon, bah, ok. Allez, je S'il m'arrête meurt là. pas, en tout Allez. cas, il vit pas des choses joyeuses. Oui, à la Voilà, oui, limite, c'est parfois, il ça. faudrait peut-être mieux qu'il meure. Franchement, il y en a certains. C'est vrai, c'est très vrai. Coucou à tous ceux qui arrivent, coucou Mému et coucou Ripley. Désolée à ceux que j'ai ratés entre-temps.
Mais ouais, effectivement, oui, non. Là, en plus, le problème, c'est que dans Bergère, quand il ne meurt pas, c'est assez horrible, quoi. C'est pire. Ce qu'ils vivent est assez horrible, donc c'est encore pire. La voilà, c'est encore pire. Ah oui, d'ailleurs, j'ai à vous dire, parce qu'il y a Popo l'Artichaut qui est dans le chat, là, avec nous, et qui sera avec nous aussi. Alors, c'est Crafty ici, ok. C'est Crafty. On est Crafty. Je ne sais pas, techniquement, je ne sais pas encore exactement comment... Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je préfère. Mais tu as raison. Tu as raison. Mais tout le monde est beau, de toute façon. Tout le monde est beau. Du coup, selon certains, regarde un stopper. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Parce que nous, on adore Art Stopper. On adore Art Stopper. Mais on a des potes qui ne les regardent pas parce qu'ils les trouvent moches. Alors que nous, on les trouve... On les trouve pipou. Voilà, on les trouve pipou. Et puis, c'est bien quand tu regardes une série aussi où il n'y a pas que des standards classiques, genre... Oui, c'est ça que je trouve agréable. C'est que déjà, dans tous les cas, parce que c'est l'adaptation du roman graphique, dans le roman graphique, les persos sont pas censés faire partie des standards de beauté. Ouais. Et ça fait du bien, des fois, de regarder un truc d'un regard extérieur sans avoir besoin de s'identifier aux personnes qui veulent se pécho. Parce que c'est... Ouais, ça fait du bien, c'est plus réaliste, je trouve, des fois. Ouais, de fou. De regarder un truc, puisque c'est comme si toi, tu regardais tes potes tomber amoureux, alors que toi, t'es pas du tout attiré par eux. Ouais, clairement. Donc, je trouve que c'est plus agréable, des fois, et il faut un peu se... Clairement. Prendre un pas de recul, des fois, sur une série. De fou. Et everybody is beautiful, finalement. Mm-hmm. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Un petit peu de philosophie ce soir, si vous voulez. Un petit peu de... Voilà, c'était ma petite phrase. De toute façon, moi, je suis du genre à partir là-dessus. C'est ma petite phrase. Voilà. En tout cas, oui, je vous disais, on est Crafty. On est Crafty ce soir, comme d'habitude, on est toujours Crafty. Donc, il y a Popo qui est dans le chat et qui, du coup, va aussi, tout à l'heure que je vais appeler, hein, parce que nous sommes dans un truc chat Crafty, hein, donc je vais l'appeler. Elle sera en visio avec nous. Alors, du coup, pour l'instant, je n'ai pas fait suffisamment de réglages, tout simplement. Hein, voilà, je ne peux me blâmer que moi-même. Donc, je ne vais pas la mettre directement en stream sur le Discord et tout. Vous l'aurez sur téléphone, vous pourrez voir tout de même. Notre ami sur téléphone qui fera ses petites recommandations. Crafty, tout à fait, toujours Crafty. Bah, toujours Crafty, tranquille. Écoutez, on fait à la bonne franquette, comme nature on dit. À la bonne nature peinture. Voilà, nature peinture. Et du coup, là, pour le moment, moi, ce que j'ai demandé du coup à mes potes ce soir, c'est de vous faire des recos. Des recos, du coup, lecture, mais aussi des recos, du coup, série film. Un petit peu leurs bangers. Si je m'abuse, leur bangers, leur petite lecture préférée, tout ça, etc. Donc, c'est ce qui est prévu ce soir, du coup. C'est comme ça, vous pouvez voir un petit peu des goûts un petit peu plus éclectiques, puisque, on va pas se mentir, ici, la plupart du temps, ce qu'on présente, c'est surtout des récits. Bon, voilà, bon, bah, comme on le disait tout à l'heure, voilà. Hein, ma dernière lecture s'appelle Boucher. Hein, voilà. Alors donc, écoutez. sur cette transition un petit peu longue, du coup, mes potes, donc, vont vous recommander un petit peu leurs bangers, leurs trucs un petit peu favoris et tout, vous faire des petits résumés, vous expliquer un petit peu pourquoi ils ont apprécié, etc. Voilà, tout simplement. Donc, on va refaire un petit tour. Il y a pas de table, mais un petit tour de table. On va dire petit tour de table, il y a pas de table. Petit tour de coin, là. Voilà, petit tour de bibliothèque. Voilà. Et il y a les deux chiens. Et on a les deux chiens aussi qui sont là. Petit tour de bibliothèque, voilà, finalement, avec mes potes qui donc vont vous faire des petites recommandations. Du coup, voilà. Donc, on commence également, on fait le même tour. Hein, oui, Sacha, est-ce que tu peux montrer... Alors, tout d'abord, tes petites recos, évidemment, oui. Lecture. Mais est-ce que je vais... Oui, effectivement, comme dit Mika, je vais lui donner la chaise au centre. Il sera... Non, tu veux pas? On est bien. Vous êtes sûr, c'est bon, vous voulez pas la chaise au centre? Bon, on est bien. Très bien. Bon. Eh bien, écoutez, dans ce cas-là, je leur repasse le micro. Je suis stressée comme ça. Ils sont stressés, les pauvres. Après, moi, je pense qu'on m'entend bien. Non oui, je pense que toi, en vrai, ça va. Je te rapproche vite fait le micro, mais je pense qu'on t'entend bien, toi. Ouais. Mais du coup, j'ai eu du mal à faire des choix quand Jody m'a proposé de faire des recos, mais je me suis dit que j'allais partir sur des trucs qui changent un peu. Donc, le premier, ça va être Ocean Rush, de John Tarachiné, qui s'appelle John Tarachiné, alors que c'est une femme, même si le prénom c'est John dans le nom d'autrice, mais bref. Ocean Rush, je voulais en parler parce que ça change un peu, et en vrai, ça rejoint ce que je viens de dire sur Heartstopper. Bon, le plot de Ocean Rush, c'est qu'on suit Umiko, qui est une femme de, je crois, 65 ans, enfin, en tout cas, elle est à la retraite, elle a sa petite vie, sa maison, etc., et elle a perdu son mari 2 ans auparavant. Donc elle vit le deuil de son mari tranquillement, on va dire, elle a eu du temps de s'en remettre, etc.
Et en fait, juste un jour, parce qu'elle s'ennuie et elle se rappelle à quel point elle aimait regarder des films avec son mari, elle va au cinéma. Et elle se rend compte que au cinéma, en fait, ce qui l'intéresse le plus, c'est même pas de regarder le film, c'est de regarder les réactions des gens derrière elle. Donc elle fait que se retourner et regarder les gens. Et là-bas, elle va rencontrer un mec qui a bah, du coup 19 ans, 20 ans, et qui est étudiant en cinéma. Et ils vont parler, et en fait, elle va se rendre compte d'à quel point, bah, oui, ce qui l'intéresse le plus dans le cinéma, c'est plutôt comment les gens réagissent, comment les gens prennent et interprètent un film, etc. Et du coup, bah, grâce à cette rencontre, elle va reprendre des études de cinéma. Donc, somme toute, le scénario a rien de fantastique, il n'y a pas d'énormes plot twists, etc. Ça reste une tranche de vie. Mais ce qui est agréable, c'est que déjà, John Tarantino est assez nuancé tout le temps dans ses propos parce qu'elle est connue pour d'autres mangas, notamment La Sorcière du Château au Charbon, qui est beaucoup plus fantastique, mais qui, je trouve, est frustrant parce qu'il fait que 4 tomes alors qu'il aurait pu en faire 10, à mon Ouais, avis. mais il est Ouais, trop bien. il est trop bien, trop beau. Et l'esthétique de John Tarantino est incroyable en plus. Mais du coup, là, c'est un tranche de vie où il y a juste souvent des métaphores du coup avec l'océan, d'où le titre, parce que Umiko, du coup, quand elle se lance dans l'aventure de reprendre ses études alors qu'elle a 65 ans, et surtout dans des études qui, en soi, nous, la vanne, le running gag avec les études de cinéma ou des trucs comme ça, c'est que ça mène nulle part en général. Mais elle prend ça comme une métaphore de se lancer sur l'océan en barque, et elle sait pas trop ce qui va advenir. Mais du coup, ce qui est agréable avec ce manga, c'est que, comme je disais du coup sur Heartstopper, comme pour une fois, ce qui est rare, le protagoniste est une personne âgée, c'est pas nous directement qui allons nous identifier au personnage. Enfin, ça arrive que des personnes plus âgées lisent ce genre de manga, ce que j'ai déjà conseillé. Mais nous, en général, en étant plus jeunes, on va pas s'identifier à quelqu'un qui apprend ses études en étant retraité. Mais c'est agréable justement d'avoir du coup ce point de vue extérieur, de pour une fois se sortir de ce truc de directement s'identifier à un personnage et plutôt juste être témoin d'une histoire qu'on n'a pas l'occasion de voir. Et au final, on relate quand même un peu à son histoire parce que tout ce qui lui fait face, c'est le syndrome de l'imposteur, c'est penser qu'elle n'a pas sa place ici, que si elle l'a fait, c'est juste sur un coup de tête, alors qu'il y a des gens, c'est leur destin et leur projet depuis qu'ils ont 15 piges, de se lancer là-dedans, etc. Et c'est hyper agréable, c'est nuancé, ça boit une tranche de vie, c'est pas ennuyant, enfin je veux dire, même si vous n'êtes pas lecteur de tranche de vie. Ça fait juste du bien de voir un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et comme je disais, John Tarantino a une esthétique incroyable. Donc franchement, ne serait-ce que pour les graphismes, c'est à suivre. Et En vrai, ça donne envie ce que tu dis, mais ouais. c'est ultra bien, vraiment. C'est au début, je m'attendais un peu à rien quand j'avais lu le tome 1. Je savais que ça m'attirait juste pour le graphisme parce que je suis un pigeon des dessins. Moi aussi, Je suis j'avoue. vraiment un pigeon des Ouais. dessins. Un truc peut être nul, je serais en mode ouais, mais c'est très beau. J'avoue. Mais Ocean Rush, vraiment, en fait, déjà, on s'attache de ouf à la personnage, on s'attache de ouf à Omiko, parce que c'est vraiment une petite mamie trop pipou, et vraiment, on la voit arriver à l'université, genre, Trop je sais mignon. pas trop ce que je fais là, je suis entourée de jeunes, ils ont tous 20 ans, je sais pas trop ce que je fais, elle est pas au courant des trends et tout, mais elle fait trop d'efforts, et comme elle est habituée aux vieilles caméras et à regarder des vieux films avec son mari, ça la change de fou. De voir comment dans une école de ciné ils ont tout le matériel possible, elle a tout à disposition, les profs lui parlent du coup en l'appelant madame contrairement aux autres, et ça se voit qu'elle est trop attachée à ce qu'elle fait et que les autres persos sont ultra avec elle. Ouais. Genre, ça se voit, c'est trop mignon aussi de voir pour une fois ce qu'on a peu l'habitude de voir encore une fois des amitiés intergénérationnelles, parce qu'on voit des gosses de 20 ans traîner avec elle en mode tu viens manger avec nous, on la carpette, des trucs comme ça, et c'est très C'est mignon, trop c'est mignon. très cool. J'adore. C'est ça, tu viens en Vraiment. soirée, vraiment, ils C'est l'invitent à leur tellement chou. soirée. Elle commence un peu à voir le business du cinéma et tout. Enfin, c'est hyper cool et c'est ultra nuancé et c'est trop pipou. Et quand même, on relate des fois sur le côté, genre, elle se sent pas assez bien pour être là. C'est très cool. Et est-ce que tu peux montrer du coup des dessins Oui, vite j'avoue. fait, des petits Je dessins vais à trouver des l'intérieur et jolies tout, planches. pour montrer un petit peu à quoi ça Déjà, ressemble, quoi. j'ai ça qui était bloqué dedans. J'ai Les oublié. marque-pages, tu sais, tu te sers de tout comme Je marque-page, sais quoi. pas trop quoi montrer. Genre, ça, c'est au micro en pleine réflexion et du coup, il y a cette métaphore. Vas-y, tu veux que je te le Il y a cette rapproche? métaphore de elle se sent dans l'eau en train de se lancer à l'aventure. Mais il y en a plein d'autres en soi. Déjà les couvertures, incroyables. Elles sont toujours trop Ouais, c'est trop vrai que la belles. couverture, elle est grave cool, hein, par La contre. couver les, non mais les couvertures, juste John Tarantino est incroyablement doué. Mais oh. Il y a quelques. Ah oui, là il tourne un film d'horreur. Du coup, elle est en mode oh là, mais on peut faire des FX aussi réalistes. Vraiment, elle est trop perdue et ça me fait beaucoup trop rire. Mais là, Ah encore ouais, une là c'est beau fois, là. la métaphore avec. Comment s'appelle ce film?
Le film avec le tigre sur une barque, là. Ah oui, l'Odyssée voilà. de Pie, ouais. Bah, du coup, c'est une référence à ça, mais il y a toujours cette idée de la métaphore de elle qui part à l'aventure sur une barque. Et après, on voit les autres personnages aussi qui apparaissent sur la mer. En fait, tout le monde me rattrape parce que moi, je ne suis pas assez bien et je n'avance pas assez vite dans mes études. Et c'est trop, trop beau. C'est simple. Le trait est simple, mais parlant. Et après, ils vont tourner carrément à c'est la mer. C'est vrai que les dessins sont beaux, par contre. Après, ils vont tourner carrément à la mer. Et il y a toujours cette métaphore filée de la mer qui est très, très cool. Les dessins sont très stylés, ouais. C'est très, très beau. John Taracini est incroyable. Très chouette. Et du coup, lisez aussi La sorcière du château au chardon de John Taracini, qui est fantastique, qui est vraiment dans un côté un peu Poudlard vieille Écosse. Mais juste, il est un peu frustrant parce que l'histoire est en 4 tomes, alors qu'elle aurait mérité d'être plus longue. Voilà. Mais trop bien, trop bien. Très bonne première reco, Sacha. Qu'est-ce que tu as d'autre à nous montrer ? Je me fais tout d'un coup ? Ouais, tu peux tout montrer d'un coup. Bah ouais, je pense que c'est ce qu'on va faire. Hein. On va faire chaque reco chacun et je vous laisse votre temps et comme ça, vous montrez tout. À la base, je vais pas aller vite. Je vais aller vite dessus parce que je vais pas faire tout le résumé parce que de toute façon, un, il est déjà sur mon Insta. C'est vrai. Et parce que je casse les couilles à tout le monde avec ce manga parce que c'est mon manga préféré de tous les temps, Blue Period. C'est un peu dans la même veine que Ocean Rush sur le côté. Ça parle beaucoup des jeunes étudiants avec le syndrome de l'imposteur. Mais allez sur mon Insta pour voir la sinon mon deuxième banger de l'année dernière c'était Glouton et Dragon qui est beaucoup moins niche donc je pense qu'il y a beaucoup qui en ont entendu parler et l'anime est sorti et l'anime est très bien à la limite si vous avez envie de regarder l'anime plutôt que de lire le bouquin c'est un manga en 14 tomes du coup l'anime je pense qu'il en a peut-être adapté 4, 5 en une saison mais Glouton et Dragon on est sur un classique En fait, au début, on dirait juste un bon manga pour nerds. Moi, c'est ce qui m'a attiré dedans. Objectivement, la phrase qui donne envie, je suis désolée. Hein, clairement. Au début, tout ce qui m'a attiré, c'était le fait que c'était un bon truc de gros weeb, parce que l'univers, c'est totalement de la heroic fantasy classico. Bah, du coup, de toute façon, le titre le montre, c'est une parodie un peu de Donjons et Dragons au début. Il y a le chevalier, l'elfe, le nain, tout ça, tout ça. Et en fait, dans cet univers, du coup, le donjon, c'est une espèce de faille un peu, pas spatio-temporelle, je sais pas comment dire, mais c'est un espèce de trou qu'il y a dans l'île où vivent les personnages et qui a ses propres règles. C'est-à-dire que dans le donjon, il y a un sort d'immortalité qui est rattaché au donjon et qui fait que même si on meurt dedans, du moment que le corps sort pas du donjon, notre âme est toujours attachée dessus et on peut quand même être ressuscité. Mais du coup, tout part de là parce qu'au début, ça fait juste. Truc drôle, un peu de nerds, en gros l'équipe qu'on suit, donc le guerrier, l'elfe, ils sont en train de combattre un dragon qui a finalement tué la sœur du protagoniste, mais encore une fois du coup la sœur elle est encore dans le donjon, donc elle est potentiellement ressuscitable. Ils sortent du donjon, ils sont en mode « putain faut qu'on aille récupérer Pauline, c'est pas possible, on peut pas la laisser là-bas alors qu'elle nous a tous sauvés, parce qu'en gros elle les a téléportés en sacrifiant, un truc comme ça ». Et en fait, il y a plusieurs personnes de l'équipe qui sont là. Ouais, non, nous on en a marre d'être mal payés, on en a marre de. Il y a vraiment plusieurs personnes de l'équipe. Exactement, vraiment. Parce que quand ils sont français. On se sait. On est ensemble. Mais du coup, comme ils sont dans une guilde, qui sont censés être payés comme des employés d'une guilde, etc., ils sont là. On a déjà risqué notre vie, on en a marre de mal bouffer, on en a marre d'être mal payés, donc non, ciao, débrouillez-vous. Et du coup, ils sont plus que trois. Donc le alphelon, l'elfe et le guerrier. Et ils se disent, non mais moi je veux absolument aller récupérer Pauline, donc on y va. Mais ils sont en mode, mais on n'a rien pour s'acheter à bouffer, on n'a pas de vivres, qu'est-ce qu'on fait ? Donc ils descendent dans le donjon, et ils rencontrent le nain, Senshi, qui est le meilleur perso. Enfin, je l'adore, Senshi, c'est bébou. Et en fait, Senshi, lui, c'est un nain qui explore tout le temps le donjon et presque qui y vit. Et qui en fait, lui, est habitué à manger du monstre. Donc en fait, lui, il se sustente de tout ce qu'il y a dans le donjon. Ses plantes, ses monstres, il connaît tout l'environnement. En plus, ça a une vraie logique de tout l'environnement fonctionne entre lui-même. Et genre, si les monstres de tel étage sont tous tués, ben les monstres de l'étage d'en dessous vont remonter, etc., etc. Donc au début, ça fait vraiment parodie d'Heroic Fantasy avec l'elfe qui va absolument pas bouffer du monstre. Et en fait, on parle vraiment de cuisine en plus. Enfin, au début, c'est juste drôle parce qu'on parle vraiment de cuisine de monstres sur un royaume Heroic Fantasy. Et en fait, à partir du tome 4, et du coup c'est au milieu de la saison 1 de l'anime, ça devient dark. Ça devient très dark et on s'y attend pas du tout. Et je vais pas spoiler le pourquoi ça devient dark, mais en fait on commence vraiment à parler de deuil, d'avarice, des systèmes bizarres qui se sont mis en place dans le donjon,
en quoi le sort d'immortalité qui est rattaché au donjon, il vient forcément de quelque part, parce qu'en gros, il y a une légende comme quoi le donjon, il est géré par quelqu'un, mais ils savent pas qui, ils savent pas quoi en soi, et il y a une vraie réflexion sur le deuil, la faim, la cupidité, les désirs des gens, et c'est fini en 14 tomes, et c'est ultra bien bouclé en plus, parce que j'ai lu la fin des scans. Parce qu'en France, il y en a 13 qui sont sortis, et le prochain sera le dernier. Mais sinon, c'est vraiment ultra bien. En fait, au début, ça fait juste comique et c'est ça qui nous attrape un peu dans l'histoire. Pour ensuite devenir vraiment une vraie bonne histoire bien bouclée. Ouais, avec vraie des morales. Building, quoi. C'est ça, avec des vraies morales, somme toute simples, mais ultra bien faites. Et j'ai trop adoré. Enfin, le character design est incroyable parce que c'est beaucoup aussi de personnages qu'on a peu l'habitude de voir, dans le sens où c'est classique Heroic Fantasy, encore une fois. Mais on a peu l'habitude de voir, je sais pas. En fait, il y a une vidéo que j'adore, je peux vous recommander une chaîne YouTube que j'adore. Une chaîne YouTube qui s'appelle Lines in Motion, donc c'est en anglais. Mais c'est une personne qui parle de manga en faisant des beaux montages vidéo. Et en parlant de Glouton et Dragon, elle a parlé de l'autrice, du coup, Ryoko Kui, qui fait beaucoup d'anatomie, adore mix-up ses personnages pour en faire des nouveaux personnages, etc. Et du coup, il y a beaucoup de représentations, que ce soit LGBT, de couleur de peau, ou juste de personnes juste grosses, de personnes très fines, de personnes grosses, de personnes grandes, que ce soit des personnages féminins ou masculins, ou aucun des deux. Et c'est ultra agréable sur ce côté-là aussi, parce que c'est un peu des persos qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et tout le monde est assez gris. Il y a plein de personnages qui ont plein de défauts. C'est cool. Et ça fait vraiment pas cliché. Et ça m'avait trop... C'est trop bien. Méga cool. Mais pour te répondre, Tom, oui, effectivement, oui, il parle très bien, il parle très bien de livre, effectivement, il est très à l'aise et très passionné. Non, il n'a pas Twitch ou YouTube, quel gâchis. Pas Twitch ou YouTube. Quel gâchis, mes amis. C'est un premier exercice. Mais c'est un premier exercice. Ce soir, c'est ma révélation. Qui sait, peut-être que avec cet exercice que je leur fais ce soir, les pauvres, ils sont ultra stressés, peut-être que, effectivement. Après, c'est vrai que Komizi Mika, c'est son métier aussi, ouais, c'est vrai, c'est pas faux. C'est son métier aussi. J'ai vraiment la facilité de prendre des mangas dont j'avais déjà parlé, sinon je suis en train de... C'est vrai qu'effectivement, c'est pas fou, oui, c'est son métier. Donc oui, tout à fait. C'est vrai que dit comme ça, oui, ça coule de chaud. Non, mais en vrai, par contre, il se passe ce que j'avais dit tout à l'heure de j'appréhendais, et en fait, maintenant que j'y suis... Ouais, t'as vu, ça va, en fait. J'ai juste l'impression de vous parler. Donc, bah, une fois que t'es dedans, et puis en plus, là, comme on est ensemble, en fait, c'est comme si on se parlait ensemble et que, genre, juste, il y avait des gens qui écoutaient, tu vois. Mais en soi, c'est, ça va, tu vois, ça passe. Est-ce que tu avais d'autres quoi à nous faire, Sacha, en termes de livres, je veux dire. À part Blue Period, où je vais arrêter de casser la tête avec ça. ça aussi, je vais passer vite dessus, mais je trouvais que c'est dans la DA de Jody. C'est le livre des sorcières. C'est un grand manga qui est en 3 tomes comme ça. Donc déjà, la DA est incroyable. Genre, je trouve ça trop beau. Stylé. Genre, c'est trop beau. Je n'arrive pas à viser la caméra, je vais y arriver. Et du coup, ouais, le livre des sorcières, c'est incroyable. Je prends les recos en même temps que vous. Hein. Ben, je en même temps, c'est d'un dont je t'ai jamais parlé, why not, tu vois. Bah ouais. Et ça fait longtemps que je l'ai lu, c'est en 3 tomes, mais j'ai pas lu le 3, donc je saurais même pas vous spoiler la fin. Mais c'est trop bien, c'est à l'époque de l'Inquisition, chasse aux sorcières. Et cool. On suit un... Thématique sorcière, j'aime bien. Ouais, ça parle vraiment de ça. Et on suit un personnage qui est le disciple d'un mec qui avait été condamné pour... parce qu'hérétique, parce qu'en gros c'est des médecins et on considère la médecine comme une hérésie à ce moment-là, et du coup ce mec est connu comme le disciple du diable entre guillemets, alors qu'en fait on apprend vite que bah, le diable c'est juste son maître qui en avait rien à foutre des préceptes religieux et qui était là, non mais il faut soigner les gens en fait, et qui avait soigné les gens de la peste, etc. Et on suit ça, c'est époque inquisition, les dessins sont méga jolis, et il faudrait que je trouve une jolie planche encore une fois. Ouais. Alors, les dessins sont méga jolis. Je trouve l'édition trop belle. Ouais, c'est ce que j'allais dire le format du manga, il est cool aussi. Ça fait un peu grimoire, c'est très très cool. C'est en 3 tomes, donc c'est pas longué, on va pas s'ennuyer. Trop cool. J'ai même pas encore lu le 3, alors que je l'ai. Mais bon, bref. Ça, ouais, mais tellement de choses à lire, Sacha aussi. J'ai tellement de choses à lire. Les elles sont en train de sombrer. J'ai lu, en plus, au moment où je suis en train de vous parler avec eux, en fait, ils sont entourés de piles de livres, littéralement. Ah oui, là, C'est le bordel ici. Hein. C'est le bordel, je vous le dis, voilà. Hein, ouais, c'est tout pareil, mais chez moi, mais c'est au sol. Et c'est tout à fait ça. Donc, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Je vous le confirme. Ça fait pas plus organisé. Je peux vous le confirmer. Je suis témoin. On a trop de pales. Trop de trucs à lire. Mais sinon, le troisième que je voulais conseiller, à la base, je voulais parler d'un roman, mais je pense que les autres le feront mieux que moi, et celui-là, j'ai envie d'en parler. C'est une BD. C'est un manhwa. Ah, d'accord. Ça forme roman graphique. Ouais. Mais c'est un manhwa et qui est un manga coréen. Du coup, comme c'est un manhwa et que c'est sous forme roman graphique, c'est tout en couleur.
Attendez, je vais essayer de trouver une palette. C'est tout en couleurs. C'est très joli. Le trait est très simple, mais agréable. Et en gros, là, c'est juste, ça m'avait trop attiré, déjà parce que l'édition est jolie, mais surtout que on parle de la Corée des années 20-30. Et que c'est pas le webtoon qui parle toujours de la Corée contemporaine. On parle de la Corée quand ça ne s'appelait même pas encore la Corée. Et que c'était sous occupation japonaise et que ça s'appelait encore Joseon. Et en gros, on suit après que fin du 19e siècle, la noblesse. Un quoi que ça repart. Et en gros, oui, on suit. Donc après qu'en fin du 19e siècle, il y a un système de noblesse coréen qui a été aboli. On suit, dans les années 20-30, du coup, sous occupation japonaise, il y a un espèce de nouveau système de bourgeoisie, entre guillemets. Et les deux personnages qu'on suit, c'est un mec, un jeune homme, un lycéen, qui est justement un de ces gens qui étaient de la noblesse, qui est aujourd'hui aboli, donc aujourd'hui est considéré comme une grosse merde, hein, on va dire, dans les rues. Et la fille qu'on suit, elle, c'est justement une meuf de la nouvelle bourgeoisie. Donc elle est considérée comme... la Nepo Baby de la ville, en gros. On est dans le Séoul de cette époque, qui s'appelait pas Séoul, du coup. Mais elle, c'est la fille du mania du tissu de la ville. Et elle a genre les sourcils très fins, comme une actrice européenne, la peau très blanche, elle s'habille de façon très moderne. Donc en fait, elle est autant admirée pour sa beauté que détestée, parce qu'elle est considérée trop moderne, trop désinvolte dans la rue, elle s'habille trop moderne, elle va s'acheter une pâtisserie toute seule, elle est folle, elle entre dans un magasin alors qu'il y a trois hommes dedans, des trucs comme ça, crazy girl, du coup elle est considérée trop désinvolte, trop moderne, et tout le monde la déteste, et alors que l'autre lycéen, du coup celui qui est de la noblesse, la vieille noblesse qui aujourd'hui est considérée comme une grosse merde, en fait lui il vit au crochet du père d'Arisa, du coup, et du coup les deux vivent ensemble. Et l'autre, il se fait entre grosses guillemets presque bully pour ça, parce que tout le monde lui dit « Ah mais alors, t'es avec la fille de Monsieur Joe, machin, comment ça se passe ?» Et tout le monde est ultra dégueu avec ça, dans le sens « Mais alors, elle aussi, elle met des petites culottes comme les européennes, ou est-ce qu'elle a encore les vieux trucs que mettent nos darons et tout, comme ça ?» Enfin, il y a plein de gens horribles dans ce truc, mais en soi, l'histoire est méga pipou, parce que du coup, c'est... Spoiler alerte, il y a une petite romance entre la fille très moderne et le mec qui est considéré comme un plouc, exactement, et le gars qui est considéré comme un plouc. Et en fait, le gars qui est considéré comme un plouc, en même temps, il admire beaucoup Arisa pour sa beauté, pareil, mais en même temps, il l'aime pas trop parce que, en gros, il dit qu'elle se fout tout le temps dans la mouise toute seule. Et il y a une petite romance entre eux, parce que c'est en gros le daron d'Arisa arrête pas de dire au gars de la surveiller, « Ah oui, là, laisse pas rentrer de l'école toute seule », et des trucs comme ça. Et c'est très mignon, c'est très cute, et ce qui est agréable, c'est que c'est historiquement juste, parce qu'il y a des petites pages interchapitres qui expliquent les contextes historiques de certains trucs. Ah, ça, c'est cool, ça. Et enfin, c'est pas barbant, hein. C'est vraiment des petits trucs sur ouais, c'est l'autrice en gros qui parle, ouais, quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu qu'ils mettaient tel genre de vêtements à cette époque, des trucs comme ça. Donc c'est historiquement relativement juste, c'est pas un sujet qu'on traite beaucoup, je trouve, surtout dans les trucs qui parlent de Corée. Et en même temps, ça reste une romance. Très cute. J'ai trop hâte de lire le tome, parce qu'au début, je croyais que c'était un one shot, mais non, c'est un tome 1. Et il y a une suite. Et ça laisse sur un petit cliffhanger. Et c'est très très cool. Chouette! Une bien belle reco. Tu aimerais. De bien belles reco, dis. De bien belles reco. Mais merci bien. Je t'en prie. Gentil. Est-ce que tu as des petites reco également? Films, séries, peu importe, on s'en fout. De visionnage. Je suis nulle en film. Je ne regarde aucun. Si j'en ai regardé, c'est avec des gens parce que je ne pense jamais en regarder tout seul. Mais il y a un film qui m'a extrêmement marqué et je vais tricher un peu parce que c'est un manga aussi. C'est le film qui est adapté le tome de L'étranger de la plage, qui est en soi une série, sauf que il y a un tome qui s'appelle L'étranger de la plage et le reste de la série s'appelle L'étranger du zéphyr en 5 tomes. C'est pas fini en soi, mais c'est un peu complet. Et le film L'étranger de la plage, en soi, c'est juste qu'il est extrêmement beau visuellement. J'ai eu envie de roter. On est à l'aise. Mais du coup, oui, le film est visuellement incroyable. Enfin, je le trouve magnifique. Ça traite d'une romance homosexuelle. Et en gros,
Ils sont sur une petite ville paumée d'Okinawa. Shun, le premier personnage principal, c'est un écrivain qui a genre 27 ans, un truc comme ça, et qui est vraiment paumé dans sa vie. C'est un galérien, il n'arrive pas à finir ses manuscrits, à les envoyer à son éditrice, tout ça, tout ça. Et juste un jour, il va rencontrer un autre mec de l'île qui s'appelle Mio. Putain, j'ai eu un gros trou. Mio, il a déjà pas de père et il vient de perdre sa mère. En fait, il va partir. Enfin, il avait avoué un peu son amour à Shun, mais pas réellement. Donc, leur relation avait jamais pu commencer. Il va partir pendant 3 ans, ou je crois, hein, finir son lycée du coup en ville puisqu'il a perdu ses parents. Revenir sur l'île une fois qu'il a fini ses études, et il va avouer son amour à Shun et ils vont tout de suite se mettre ensemble. Mais Shun est très mal à l'aise avec le fait d'être homosexuel et en fait il avait déjà été fiancé à une femme qui est aujourd'hui une amie de la famille, mais il avait été fiancé avec elle et il avait genre quitté juste avant le mariage. Enfin, il est très peu à l'aise avec ça, ses parents étaient assez homophobes, etc. Et en fait, moi, c'est juste que j'adore ce film parce qu'il m'a beaucoup marqué. Il m'a beaucoup changé dans le sens où j'ai extrêmement de mal à m'identifier à des romances. Et là, c'était la première fois que je m'identifiais à un personnage qui est Mio, du coup, l'autre. C'est juste, il est magnifique. Il dure 1 heure. Donc, c'est très court à regarder. Ouais. Genre, c'est vraiment, vous n'allez pas vous ennuyer parce que ça dure 1 heure. C'est vraiment, du coup, en soi, c'est un film qui, du coup, adapte un seul tome. Parce que c'est juste L'étranger de la plage. Et je recommande à fond pour ensuite se mettre à lire la série. C'est une autrice que j'adore, Kiyi Kana, qui fait jamais des trucs avec des scénarios rocambolesques. Vraiment, il se passe pas grand-chose dans ces trucs, parce qu'elle a écrit ça, elle a écrit un one-shot qui s'appelle Quali Under the Snow, et elle a écrit un autre one-shot qui s'appelle Nos meilleures vies. Et c'est jamais des scénarios qui vont très loin, mais c'est toujours de la tranche de vie ultra réaliste. Honnêtement, je sais que dans L'étranger de la plage, certaines personnes diraient qu'il y a quelques scènes problématiques. Enfin, je me souviens que Maya parlait de consentement à un moment, parce qu'effectivement il y a une scène où Mio a très envie de faire la chose, échoue une moyen, et du coup là la conversation du consentement arrive, mais en soi ça n'est pas problématique, dans le sens où c'est juste que c'est réaliste comment la question arrive sur le tapis, un peu de façon awkward, mais il se passe jamais rien sans consentement et c'est pas problématique sur le fond. Mais c'est juste que du coup à chaque fois qu'il y cana vraiment fait en sorte que ce soit très réaliste. Je viens de voir Popo qui dit faire un bowling. Alors exactement, faire un bowling, du coup. Mais je sais pas comment t'as deviné, par contre. Vraiment incroyable, en fait. Vraiment dingue. Trop fort. Cette personne, vraiment... Elle me surprendra toujours. On n'est pas au bout de ses surprises. Mais du coup, oui, déjà, j'adore le manga, mais le film en lui-même est visuellement incroyable. Popo qui dit avec plaisir. Avec plaisir. Et du coup, dans niveau film, je suis très nul, donc je vais pas essayer de parler de quoi que ce soit d'autre. Ouais, okay. Mais niveau série, les dernières que j'ai regardées avec mon coloc, qui sont absolument incroyables, c'est deux moods, deux salles, deux ambiances. Vraiment, les deux n'ont rien à voir entre elles. Une première, je vais pas m'étaler dessus, mais c'est Abbott Elementary. C'est un peu à la sitcom, sachant que de base, j'aime pas les sitcoms, mais c'est en gros une sitcom qui se passe dans une école primaire, genre maternelle primaire, et on suit les profs avec leurs histoires. Et du coup, ça parle beaucoup du système scolaire américain qui est éclaté au sol. Mais en même temps, la sitcom en elle-même est juste hilarante. Les personnages sont incroyablement drôles. C'est-à-dire que c'est Cheryl Lee Ralph, c'est une actrice Broadway, comédienne, chanteuse, je ne sais pas si les gens voient qui c'est, qui joue une prof méga chrétienne et ultra balayée dans les fesses. Elle est incroyablement drôle. Enfin, c'est trop drôle. C'est écrit par Quinta Johnson, encore une fois, une meuf assez connue, mais je ne sais pas si les gens voient qui c'est. C'est beaucoup trop drôle, Abbott Elementary. Et la deuxième, du coup, qui n'a absolument rien à voir, c'est The Bear, qui est très connu, donc je pense que la plupart des gens voient de quoi je parle. C'est le truc qui a révélé Jeremy Allen White, là. Je connais pas. Il a fait une pub Tommy Hilfiger et tout. Enfin, bref. Ah Calvin Klein, c'est ça. Il a fait une pub Calvin Klein. Et du coup, oui, The Bear, c'est... Par contre, là, vraiment, comment vous expliquer, comment vous résumer le truc, parce que c'est une expérience. Ça parle de cuisine au début, dans le sens où le personnage principal, donc Jeremy Allen White, c'est un cuisinier qui reva à Chicago, genre dans sa ville natale, pour reprendre un resto, genre un Steak and Shack, un truc de sandwich un peu nul, parce que c'est son frère qui avait ce resto à la base, mais son frère est mort, et on apprend vite que son frère en fait s'est suicidé, mais on sait pas pourquoi, et en fait ça part très vite en steak, et sans mauvais jeu de mots, mais ça part très vite en steak. Et on comprend pas bien où va le truc.
mais on se laisse porter par le fait que la série soit cinématographiquement magnifique. Enfin, chaque épisode est une expérience. Chaque épisode, des fois, on ne comprend même pas où on en est dans l'histoire. Mais chaque épisode a une façon de faire incroyable. Dites-vous qu'en gros, dans la saison 3, il y a un épisode entier qui dure une bonne demi-heure où il n'y a aucun dialogue. Ah ouais ? Et on comprend quand même ce qui se passe, dans le sens où c'est que des images de cuisine, etc., etc., mais on en revient un peu au sentiment des personnages. Enfin, c'est trop bien fait. C'est une expérience à chaque fois. Mais du coup, en fait, on a essayé de résumer avec mon coloc en disant que ça parle de deuil, de famille dysfonctionnelle, de gens qui n'arrivent pas à se parler, à se dire les choses, de pauvreté, de galère, de tout ça, à travers le prisme de la cuisine et du restaurant. Et c'est trop bizarre à résumer, mais c'est incroyable. Dites-vous, en gros, quand je dis que chaque épisode est une expérience, il y a un épisode en particulier dans la saison 2, avec mon coloc, on l'a regardé, on n'a pas dit un mot tout le long, on était stressés, genre, on s'accrochait à nos sièges, et à la fin de l'épisode, on s'est regardé, on a fait « faut qu'on fasse une pause ». Mais parce que vraiment, enfin, le mood était lourd, parce qu'en gros, tout l'épisode, c'était juste une engueulade de famille, mais qui partait beaucoup trop loin. Mais ça pourrait arriver, en mode, ça venait de quelque part, et c'était pas non plus irréaliste dans comment les gens réagissaient, c'était juste tout et n'importe quoi, et que des gens qui vont pas bien, et qui s'embrouillent, et chaque épisode est une expérience sur ça. Le scénario avance, mais des fois, il y a des épisodes comme ça où on est en mode... Faut faire une pause. J'en peux plus. Mon cerveau est à 10 000 à l'heure. En secours. Deux bers, c'est l'ours. Au début, on comprend pas trop pourquoi ce titre est, en fait, ça fait sens après, mais c'est trop bien. Voilà. Que de recos extraordinaires. Merci à toi, Sacha. N'est-il pas extraordinaire? Bien si, il est. Il est. Je sais. Oui, effectivement. Oui, il y a le petit toutou. Le petit. That's your girl. That's your girl, là. Effectivement, toujours accompagné des petits toutous durant ces lives, même pendant certaines vidéos YouTube aussi. Elles sont toujours là, les bébés. Toujours. Voilà. Donc oui, effectivement, chez Boubou. Ouais. On va passer maintenant, Margot, à toi. Ça, tout va bien se passer. Moi, je vais commencer par fonder l'ambiance directe. Écoute, une petite roco triste, c'est ça. On va être bien sad. Hein. Moi, je vais vous parler de Sky. C'est joli. De Patrick Chauvel. Donc, il y a une petite photo derrière parce que c'est une histoire vraie. Ok. Donc, en gros, Patrick Chauvel, c'est un reporter photo qui a été sur beaucoup de fronts, sur beaucoup d'environnements un peu... Tandax, on va dire, et il a notamment fait la guerre du Vietnam. Et quand il est arrivé au Vietnam, en fait, il a tout de suite été mis dans une équipe avec des natifs américains qui avaient été sortis de prison pour être utilisés un peu en chair à canon ou en première ligne de mire sur le champ de bataille, en gros. Et du coup, bah, Patrick Chauvel, une fois arrivé là-bas... Une fois arrivé là-bas, bah, du coup, il va se retrouver dans une équipe avec beaucoup de personnages un peu particuliers, y compris Sky, du coup un natif américain qui est un peu particulier, très renfermé, mais qui en même temps n'hésite pas à partager autour de ses traditions. Donc la première partie du bouquin, c'est vraiment la guerre du Vietnam, les choses horribles qu'on y voit, les relations qui se construisent petit à petit, et surtout le lien qui se lie entre Sky et Patrick Chauvel. Et la deuxième partie du bouquin, c'est Patrick Chauvel qui est retourné en France à Paris et Sky qui le rejoint. À partir de là, bah, c'est une descente aux enfers de PTSD suite à la guerre du Vietnam, hein, parce qu'on ne va pas se mentir, il y avait des choses atroces, mais aussi avec les quelques problèmes que pouvait avoir Sky auparavant. Donc du coup, c'est un bouquin qui est très fort, très poétique. Mais surtout, préparez-vous à pleurer à partir d'un quart du bouquin, parce que littéralement tout le monde meurt et c'est trash as fuck du début à la fin. Mais vraiment, lisez Sky, si vous aimez les récits de guerre quand même un peu, on va pas se mentir. Mais surtout, les belles amitiés. Voilà. Oh, un super roman. Très intéressant. Ouais, en vrai, ouais, de fou. Rapide, succinct, voilà. Seriez pas libraire par hasard. Seriez pas libraire. Dans l'information, non. Seriez pas libraire ou pas. Légèrement. Non, oui, c'est vrai. Je vais vous présenter un peu de poésie, mais c'est super difficile de parler de poésie, donc
ça risque d'être un peu rapide, mais bon, c'est pas grave. C'est La Princesse sans reflet, d'où mon pseudo Instagram. Ah. Voilà. De Marine Perrard et Myrion Mal, donc deux personnes absolument incroyables. Myrion Mal, des BD révolutionnaires. N'hésitez pas à vous plonger dans les BD de Myrion Mal. Et donc ce récit, c'est comme une forme de conte, on va dire, où on suit l'histoire d'une jeune princesse qui va devoir se marier avec un prince dont elle n'a pas du tout envie d'épouser, évidemment, et qui va nous raconter très vite les violences qu'elle va subir, les agressions également, donc trigger warning évidemment, et surtout sa fuite en avant, sa dépression, sa chute littéralement en termes de santé mentale. Et heureusement, il y a quand même toute une grosse partie sur le besoin de sororité, le besoin d'avoir des gens qui nous entourent, qui ont vécu les mêmes choses, avec qui on peut parler de ce genre d'événements traumatisants. Et surtout, c'est un moyen de présenter les contes un peu comme ils l'étaient vraiment, parce qu'on oublie très vite, on se dit, tous les contes qu'on lisait quand on était enfant, ils étaient super pipou, pas du tout. On rappelle qu'ils sont super trash, et celui-ci reprend un peu ce penchant-là, mais avec un point de vue ultra-féministe, parce qu'en fait, c'est deux autrices féministes et militantes. Donc c'est vraiment très chouette, et surtout, Myrion Mal a un trait très particulier, pour ceux qui connaissent. Oui. Voilà, par exemple, c'est magnifique. C'est vrai que c'est très beau, c'est très joli. Donc, on n'en ressort pas aussi triste que Sky, heureusement. c'est quand même un peu réconfortant sur la fin. Merci les femmes d'exister. Voilà, je tiens à redire ça au cas où. Bravo les merci femmes. Les femmes. Bravo les lesbiennes. Bravo les lesbiennes. Et du coup, pour parler d'une lesbienne, on va parler de Miel Pagès. Du coup. Qui fait de la poésie. Les sublimations. Les sublimations de Miel Pagès, c'est son deuxième recueil de poésie. Et dans le premier, en fait, elle parlait justement de lesbianisme, de relations, d'amour, d'enquête sur soi-même au final. Et dans celui-ci, elle parle plutôt de dépression, de ce qui peut lier les personnes qui ont pu, encore une fois, subir des violences tout au long de leur vie. Mais qui aussi essaye de se sortir un peu du besoin d'être toujours parfait, parce que justement en fait Miel Pagès dans celui-ci nous fait bien sentir que l'imperfection a ses beautés et que la dépression a non pas de la beauté mais aussi un intérêt, et que encore une fois il faut pas dire ah t'es triste, stop, arrête. Donc voilà, c'est un petit recueil de poésie assez court de 100 pages, mais qui vraiment est ultra fort. Et l'autrice fait des lectures de ses poèmes et ça a l'air trop bien. Si vous croisez Miel Pagès ou un événement autour d'elle, surtout n'hésitez pas à y aller parce que c'est vraiment très très chouette. Mais trop bien. Bah ouais, franchement, ouais. Oui. Hein. Après, c'est enfin. Ouais, voilà, tu peux pas parler littéralement des vers ou de ce qui est dit, c'est compliqué. Voilà, la thématique, oui. C'est plus difficile, ouais, à décrire, ouais, je comprends. Encore une petite reco de deux romans, cette fois. On a Le Champ et la Rivière de Wendy Delorme. Ah oui, Wendy Delorme. Donc, une auteure que Jody aime beaucoup et que j'aime beaucoup également. Hein, c'est vraiment une autrice incroyable. Ouais. Dans celui-ci, on a deux voix différentes. On a celui d'une jeune femme qui vient de commencer une PMA avec sa compagne, qui est une personne trans, et qui décide d'aller passer deux ou trois semaines dans un chalet familial, histoire de se ressourcer, de pas trop stresser dans l'attente de savoir si oui ou non elle est enceinte, et qui du coup va profiter de ces moments loin de sa femme pour lui écrire une lettre, lui écrire donc son amour, son besoin de d'entretenir leur amour et tout ce qu'elles ont pu construire, parce que sa compagne est une femme qui a subi beaucoup de violences transphobes et qui malheureusement a perdu vraiment le contact avec beaucoup de personnes de sa famille. Donc en fait c'est vraiment une lettre impressionnante et ultra émouvante. C'est un livre où pour le coup j'en suis ressortie un peu en colère, hein, je vais pas vous mentir, mais vraiment genre de lecture. Et la deuxième voix, c'est la voix d'une rivière en fait, qui elle a vécu en même temps que plusieurs personnes dans la montagne évidemment, et qui va nous raconter en parallèle de la lettre du premier personnage
sa rencontre avec deux jeunes filles dans les années 20-30 qui sont tombées amoureuses alors qu'elles vivaient sur le flanc d'une montagne et que, évidemment, les personnes lesbiennes dans les années 20 au fin fond de la montagne, c'est pas forcément bien pris. Mais du coup, c'est un récit qui est ultra poétique, ultra fort. Ça parle de tellement de thématiques d'un seul coup qu'on a un peu l'impression de faire une chute en avant en même temps que la rivière et la jeune femme qui écrit cette lettre-là. Donc vraiment, c'est ultra beau. N'hésitez pas, découvrez Wendy Delorme. Vraiment, tous ses bouquins sont absolument incroyables. Merci, Wendy Delorme. Mais trop de lire, en vrai. Tu l'as pas encore lu ? Ah ben non, pas encore. Donc avec ta recours, ça me donne encore plus envie de lire. Et après, j'ai pas su choisir. Tu m'étonnes. En vrai, bah, du coup, je suis libraire BD et manga, donc je me suis dit, je vais quand même parler de BD et de manga. J'ai un peu les mêmes goûts que Popo l'artichaut, donc j'ai décidé de pas parler de Keigo Shinzo. pas la devancer, genre. Voilà, je lui laisse. Mais on sait tous que Keigo Shinzo en manga est un banger absolu. Lisez n'importe lequel des Keigo Shinzo. C'est incroyable. Voilà. mais du coup, je vais parler de BD. Elle dit, merci beaucoup, je t'aime. Salut, Skip. Oui, ouais. Mais on a les mêmes goûts. Très, bon très, très bonne sélection. Pour les BD, moi, je vais parler de Perpendiculaire au soleil. Ah, ça a l'air cool, ça. De Valentine Cuny-Le-Calais et de Reynaldo McGurf. Donc, en fait, c'est une BD qui a été faite à quatre mains, qui a pris beaucoup de temps à se faire, parce qu'en fait, Reynaldo, c'est une personne qui est dans le couloir de la mort aux États-Unis, et Valentine, c'est une jeune femme qui s'est inscrite pour dialoguer avec des condamnés à mort. Et ils ont très vite lié un lien d'amitié assez fort. Et en fait, on va vraiment suivre leur évolution dans la vie, leur évolution relationnelle, amicale. Et surtout, ça parle énormément de la justice américaine. Vive le true crime, hein, on se sait. mais du coup, ça parle beaucoup de la justice américaine et des problèmes, notamment avec l'interdiction du produit létal pour les condamnés à mort ou la réévaluation des dossiers, de tout ce genre de choses qui ont débuté il y a quelques années. Donc c'est ultra beau déjà graphiquement parce qu'on a des dessins d'un homme qui n'a jamais appris à dessiner et qui pour autant a un style graphique absolument magistral. Et Valentine, qui est une jeune femme qui a fait, si je ne me trompe pas, des études d'art déco et qui utilise aussi bien du tampon, de la sérigraphie, du fusain, du feutre, du stylo. Elle utilise plein de styles de dessins différents, ce qui fait que en fait, la BD, elle est énorme. Je ne sais pas si on comprendra, mais elle est énorme. Mais on ne s'ennuie pas un seul instant sur le graphisme parce qu'il change de page en page. Trop bien. Par exemple, là, vous avez une page en gravure. Ah ouais. Et quand on switch, on est sur une page crayonnée. Ah oui, ok. Donc c'est assez beau. Et puis surtout, ça parle des problèmes pour créer cette BD. Parce que quand on est dans le couloir de la mort, bah, on n'a pas le droit d'avoir de revenus. Donc on ne pouvait pas citer Reynaldo. Donc en fait, il est juste cité sur le bandeau qu'il y a devant. Mais sinon, il n'est pas vraiment cité. Et en plus de ça, bah, en fait, quand on envoie des courriers à des condamnés à mort, s'il y a un dessin dedans avec une personne qui est tatouée, eh ben, la prison va découper au scalpel les tatouages du personnage sur le dessin avant de le donner aux prisonniers. Parce qu'en fait, on ne peut pas montrer un dessin d'une cigarette ou tous ces trucs un peu tendus. Ça crée beaucoup de problèmes dans leur échange parce qu'il y a beaucoup de courriers qui n'est jamais arrivé. Il y en a beaucoup qui leur ont été donnés 1000 ans après. Donc c'est assez fort à lire. Et surtout, leur relation est méga intense. Et encore aujourd'hui, on peut la suivre sur Instagram. Donc, je vous invite à suivre l'autrice. Super intéressant. Et à lire donc Perpendiculaire au soleil, un mastodon. Trop intéressant. Ça donnait envie aussi. Clairement. Clairement. J'ai une dernière petite BD. Et promis, après, j'arrête sur les livres. Mais tu es passionnante. On est pendu à tes lèvres, en fait. J'ai pas pris Esteb. Mais lisez Esteb et la harpie. Voilà, by the way, on vous lâche ça comme ça. En fait, je pense qu'on a tous les deux genre, cru que l'autre allait le faire. Oui, bah ouais. Et du coup, oui, mais lisez Estelle et la harpie. C'est trop beau. C'est absolument incroyable. Mais je termine sur la note la plus joyeuse, hein, parce que visiblement, la technique dans ce que je lis est bien présente. Ouais, mais c'est des lectures importantes. Je vais vous parler de Jardin Charlie de Gaëlle Genier. D'ailleurs, bientôt une nouvelle BD qui a l'air incroyable et qui, je crois, s'appelle Passé. Mais bien sûr, évidemment.
Dans le jardin Paris, en fait, on suit l'histoire de Rose. Donc, en fait, on l'aperçoit sur la couverture. Rose, c'est un jeune homme qui a grandi dans une maison de cabaret, en fait, dans les années 20 à Paris. C'est sa mère qui tient cet environnement. Et en fait, ça s'appelle le jardin. Donc, littéralement, toutes les femmes qui travaillent dedans. Et Rose porte un prénom de fleur. Très vite, on voit que Rose commence à désirer s'habiller comme les femmes qui l'ont élevée, qui dansent. Et lui aussi, en fait, ressent le besoin de danser sur scène. Elles vont l'encourager, elles vont l'aider dans le style, dans la robe, dans toute la tenue et surtout dans le soutien émotionnel pour se lancer, parce qu'on rappelle les années 20. voilà. Et en fait, il va très vite adorer danser et très vite, il va avoir même un client qui ne viendra que pour lui, qui ne sera jamais gênant ou jamais dérangeant, jamais cringe, et en fait va débuter entre eux une romance absolument toute douce. C'est vraiment une BD où rien ne se passe mal, tout se passe bien, tout est beau, tous les gens sont gentils, gens s'entraident, c'est bienveillant, et surtout c'est beaucoup trop beau. Le graphisme de Gaëlle Jeunier est absolument incroyable. Je crois que son Instagram c'est Avril Circus. Mais franchement, allez-y, parce que vraiment, elle fait des trucs de dingue et elle fait des petites histoires un peu spicy sur son Patreon. Alors, n'hésitez pas non plus pour le spice. Il y a Enzo dans le chat qui n'a pas suivi de quoi non, celui d'avant, je crois. C'était Perpendiculaire au soleil, ouais. C'était Perpendiculaire au soleil, ça parle de la prison et d'une relation entre une jeune Française et un condamné à mort et les moyens qu'on peut mettre en place pour faire des bandes dessinées à plusieurs mains. Donc, ultra bien. Franchement, ultra bien. Voilà. Oh, cool. Mes petites recos bouquins, du coup. De bien belles recos bouquins, quoi. Encore une fois, ça nous a donné envie. Bah oui, ça nous a donné envie. Est-ce que tu as des petites recos aussi, pareil, visionnage à faire? Oui, en termes de série, regardez Supernatural. Juste 15 saisons de pur bonheur. C'est quoi, tellement genre, bien Supernatural, j'avoue. Juste bon, Sam. Oui, nous sommes. Oui, mais il est beau. Il est beau, mais il nous fatigue un petit peu. Bon, voilà. Bon. Allez, désolé pour tout. D'ailleurs, désolé, je m'excuse d'avance pour tous ceux qui aiment Sam. No offense. Il est très gentil. Il est très sympathique. Il est gentil. L'intelligence fait pour chasse, quoi. Voilà. Oui, vraiment. Non mais je les assoive pas, t'inquiète, regarde. Non mais écoutez, attends, on dirait que je les ai séquestrés pour le stream. Non, mais écoute, enfin, on traite bien ces invités quand même, écoute. Bonsoir Mikachu. Oui, c'est un stream un peu original ce soir, un petit peu original. T'avais d'autres co-visionnages à faire ou pas, Margot, mis à part ce banger qui est sur la chambre. Ah, je peux continuer dans le running gag. Regardez Winnie l'ourson. Non, par contre, elle le dit premier degré. Elle est vraiment très très fan de Winnie l'ourson, je tiens à dire. Elle est premier degré. Elle ça réchauffe le cœur, tout ça. Il y a un film que je montre littéralement à tout le monde, c'est le guide de survie en apocalypse par des scouts. Je ne sais plus le titre précis, mais c'est trois scouts. Incroyable. C'est ça, c'est des scouts un peu nuls qui se retrouvent à devoir sauver tous les gens de leur lycée d'une invasion zombie. Spoiler alerte, il y a un zombie qui chante Britney Spears. C'est iconique. Mais trigger warning pour des parties génitales, ce qui se passe pas bien. Trauma. Voilà, trauma. Mais c'est un film qui est ultra drôle, honnêtement, genre, regardez-le, c'est ultra chill. Et, Guide Scouts de l'Apocalypse, c'est ça? Yes. Oui. Mais professeur Donc, c'est pas le même, t'inquiète. Non, pas celui dont on a parlé en stream, c'est pas Winnie l'ourson Blood and Honey, tu vois, c'est pas pareil. D'ailleurs, il faut que je regarde le 2, je vous en ferai un petit retour hein, parce que voilà, on va adorer. On va adorer, je pense. Va adorer, ça va être super, ça va encore être une ça va oui, il est sorti Winnie the Pooh Blood and Honey 2, ouais, il est sorti. Ça va encore être un chef-d'œuvre. J'en suis persuadée. Je vous ferai un retour là-dessus, je suis sûre que encore une fois
Ça va être quelque chose. Hein. On va s'éclater puisque bon, en même temps, c'est que Jean-Christophe, comment il s'appelle Jean-Christophe les a laissés et ils sont devenus cannibales. Allez. Ah. Donc du coup, nous disions. Alors du coup, pour faire une petite transition sur ce film, est-ce que c'était tout bon pour toi, Margot, pour tes petites recos? Eh bien, c'était extraordinaire. Voilà, cette personne est extraordinaire. Vous l'avez vu aussi. Elle est extraordinaire. Il est extraordinaire. Ils sont tous extraordinaires ce soir et nous allons continuer avec une autre personne extraordinaire. Qui est notre troisième personne de la... La gardienne des chambres. Notre troisième personne sur quatre personnes qui vont passer du coup ce soir sur ce stream. Puisque la quatrième va passer en visio. Ce sera Crafty, mais c'est parce qu'on l'aime. Et on a envie aussi qu'elle soit là ce soir. Et qu'elle vous présente de belles recommandations. Donc la troisième... Oui, effectivement, je n'en doute pas, Pikachu, que je serai surprise. Je n'en doute pas. C'est pour ça que je regarde à chaque fois. C'est les suites, hein. C'est parce que je sais que je vais être surpris. J'ai vu qu'il y avait Bambi aussi, hein, qui avait été adapté. Allez, bref, voilà, pourquoi pas. Écoutez, pourquoi pas, tant qu'à faire. Pardon pour tes oreilles, Mika, c'est vrai que j'ai le micro très près. On va passer du coup à Béré, aux petites recos de Béré. Béré, juste ici. Est-ce que tu peux donc du coup nous faire tes petites recos aussi, lecture et visionnage? Alors, en lecture, ça va être des trucs très différents. Je tiens à préciser, mais comme ça, on a pour tous les goûts. Oui, elle est très éclectique. Très éclectique, tout à fait. Premièrement, il y a un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps. J'ai découvert l'autrice qui est plutôt connue, Morgane Moncomble. Et c'est un livre qu'on avait en gratuit, donc je l'ai profité pour le lire, qui s'appelle En équilibre. En fait, on suit une jeune fille de 17 ans, qui a une sœur jumelle et qui est passionnée par le cirque. Et en fait, elle est décrite comme... étant très très confiante, elle a très confiance en elle et tout, malgré le fait que ce soit une femme, enfin une jeune femme assez grosse, enfin avec des formes, machin, etc., contrairement à sa sœur qui rentre plus dans les canons de beauté, on va dire. Et en fait, on voit tout son parcours avec sa mère qui parle beaucoup de son poids, elle est beaucoup comparée à sa sœur, mais elle a énormément confiance en elle, et elle est passionnée donc de cirque, et plus précisément de cerceau aérien, et vraiment, c'est ce qui la libère, etc. Et en fait, ce livre, on a l'impression, quand on lit le résumé ou quoi, que ça peut être une petite romance, un truc comme ça et tout. Donc oui, il y a de la romance, évidemment, qui est adorable, je tiens à le préciser. Mais c'est surtout un livre qui va traiter d'anxiété, qui parle beaucoup de maladies mentales, enfin de troubles mentaux, dont l'anxiété majoritairement. Et une claque. Une claque parce que littéralement, au début, on commence, on se dit juste que c'est un petit truc d'ado très mignon. Et en fait, vraiment... on est plongé dans l'enfer qu'est l'anxiété. Et en fait, son anxiété, elle est matérialisée dans sa tête par une petite voix qu'elle a nommée Nana. Et en fait, on entend Nana parler. Donc, elle a des dialogues avec elle. Et on voit vraiment tout ce cheminement, enfin, les personnes qui subissent l'anxiété, je pense qu'on se comprend, de vraiment... On a l'impression... Coucou, ça va, quoi, ça va ? J'ai la page ! Mais oui, littéralement, en fait, j'ai réussi beaucoup à m'identifier à ce perso parce que c'était extrêmement bien retranscrit comment l'anxiété se manifestait chez les gens et vraiment ce côté petite voix dans sa tête, parasite, etc., qui la conduit d'ailleurs, enfin, on suit sa descente aux enfers, en fait. Elle arrive pas, au début, elle comprend pas totalement ce que c'est ou elle le conscientise pas énormément. Et au fur et à mesure, il y a beaucoup de choses qui arrivent parce qu'elle est en terminale, donc il y a des choix d'avenir, la pression des parents, la pression de un peu de la société, le fait qu'elle commence une romance avec quelqu'un. Enfin, il y a tout ça qui se mélange et vraiment, on assiste à sa descente aux enfers, en fait, hein, dans l'anxiété, dans tout ça. Et c'est bouleversant. Franchement, c'est rare que je sois émue face à un livre. Et là, littéralement, j'avais les larmes aux yeux à la fin quand je le lisais. Il est sublime. Et franchement, je le recommande. Il est pas très long, il est super sympa. Et c'est quel genre, t'as dit ? C'est plus jeune adulte romance, okay. On va dire. Voilà. Donc, je recommande En équilibre de Morgane Moncombe, si jamais. Bien dit. Ensuite, qu'avons-nous ? Nous avons un classique dans le genre, parce que je ne suis pas une personne très originale. Ils étaient 10 de Agatha Christie. Donc je pense que presque tout le monde connaît. Je l'ai jamais lu, je connais, mais j'ai jamais lu Agatha Christie. Mais quoi ? Mais je te jure que t'as jamais lu Agatha Christie ? Jamais. Cette reine ? Jamais. C'est incroyable. Je ne vais pas m'étendre sur Agatha Christie pendant 30 ans, parce que sinon je pense qu'on y est toute la nuit. Mais littéralement, ils étaient 10, c'est le premier d'elle que j'ai lu, avant d'être plongée dans Hercule Poirot, hein, évidemment. Et je vais... Enfin, l'histoire, littéralement, c'est...
10 inconnus, enfin ils se connaissent pas entre eux, qui sont invités par un mystérieux monsieur sur une île. Et en fait, l'île, on ne peut pas la quitter. Et on se rend compte au fur et à mesure qu'ils ne sont pas très sympas, les uns les autres. Il y a de tout, hein. Il y a un homme d'affaires, il me semble, il y a une infirmière, des trucs comme ça et tout. Enfin, c'est des gens un peu lambda. Et en fait, ils finissent tous par mourir un par un. Et c'est dicté par une comptine, dont je ne vais pas citer le titre, évidemment, parce qu'il y a le N-word, hein. C'est Agatha Christie, c'était il y a longtemps. Mais ils meurent tous de façon très bizarre. Et du coup, ils commencent une enquête entre eux, parce qu'ils sont littéralement dans un huis clos, hein, la maison, enfin, il n'y a rien autour, c'est une île paumée en Angleterre, on ne peut pas la quitter. Et on commence au fur et à mesure à donc, avoir les meurtres qui s'enchaînent, la petite enquête qui se mène, et j'en dirai pas plus, pour ceux qui ne l'ont pas lu, parce que sinon ça va tout spoil, mais attendez-vous à être sur les fesses, parce que littéralement, sur les fesses. Et c'est un peu angoissant. Moi, je sais que je l'ai lu quand j'avais peut-être 12 ans, quelque chose comme ça. J'étais pas à l'aise. Je lisais pas le soir. Je lisais plus l'après-midi, en plein soleil. Une lumière, ouais, un truc, quoi. Tout à fait. Non, non, un peu angoissant quand même, un peu, mais c'est parce que c'est extrêmement bien écrit et c'est incroyable. Tout à fait, Happy the Ship à la fin, elle meurt. Qui ? On sait pas. Ah, mystère. Sperm. En tout cas, c'est le capitaine Moutarde qui a fait le coup. Dans le... C'est toujours dans le colonel Moutarde, c'est toujours lui. Avec le chandelier, avec dans le la chandelier. Bibliothèque. Effectivement, absolument. D'ailleurs, tout le monde parle de Agatha Christie. Quand, Popo. Je quitte le stream. Pardon, Popo. Mais tu peux, pas tu peux pas quitter, tu fais partie du truc. Qu'est-ce que tu me racontes, enfin? Là, ça va plus. Mais du coup, tout le monde parle d'Agatha Christie, mort sur le Nil. Incroyable. Banger. Deux fois. Et j'ai regardé l'épisode pour mille fois. N'allez pas voir le film là. Oh. Le vieux film de merde américain là. Oh. Avec Gal Gadot et tout là. Quel film de merde. Moi. Je suis désolée mais genre oh là 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 là. Moi j'ai bien aimé. Ça il a vraiment enlevé le filtre. Il a fait quel film de merde. Et puis les mots. J'ai regardé l'épisode pour mille fois. Le film est nul. Je voulais sortir de la salle, c'est la première fois de ma vie que je voulais sortir de la salle au cinéma. Non, mais il est pas, il se laisse regarder, il est distrayant. Ils ont changé des trucs du scénario qui n'ont aucun sens. À la fin, genre Hercule Poirot qui pointe un gun sur quelqu'un alors que Hercule Poirot ne fait jamais ça de sa vie. Et genre, ils ont rajouté genre des scènes de sexe dans le film qui n'ont rien à faire là. Enfin, genre, ce film est nul. Genre, lisez Mort sur le Nil, regardez l'épisode d'Hercule Poirot si vous voulez en boucle, mais n'allez pas voir le film. Pêcherez votre argent. Very good. Oh, il est sur Disney Plus, hein, si jamais. Oh, oui, je sais, en plus, c'est ça. C'est ça le pire, il a dit. C'est ça le pire. C'est qu'en plus, j'ai des pubs pour ça. Le film est naze. Oui, bon, ça va, j'ai compris. J'ai des goûts nuls. Ouh là là, oh là là. Moi, je vais trouver distrayant. Ah, bah écoutez, j'ai pas vu ce film, mais je le regarderai jamais. Voilà. Tu fais autre chose en même temps, quoi. Non, mais c'est y a Emma Mackey, j'ai été distraite par elle, c'est tout. Je suis une femme faible, désolée. Ah, il y a Emma Mackey. Mais oui. Ça change tout. Bah oui. Ça penche dans la balance. Enfin bon. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Non, je suis désolée. Ça clash ici. Ça clash ici. Ah, il y a quelqu'un qui l'a trouvé bien dans le chat. Quelqu'un l'a trouvé. Ah non, non, 78, pardon, excusez-moi. Désolée, Hunt. Pardon. Non, effectivement, c'est un truc. Voilà. C'est un truc. L'amour sur le... Elle dit sa mort sur le Nil, c'est surtout la mort du fun. Moi, je me suis endormie. Mais moi, je vais sortir de la salle. Je suis mort. Sachant que en fait, si le film était déjà dead, là, il est encore plus dead. En fait, sachant que ce commentaire, je le fais pas parce que j'ai lu le livre et tout. Je l'ai vu avec une pote qui, elle, n'avait jamais lu le livre ni vu les épisodes d'Hercule Poirot, et elle a quand même trouvé ça naze. C'était pas que une question de ils suivent pas le scénario du bouquin et tout genre. C'était pas par snobisme que je dis ça. C'est vraiment, j'étais avec ma pote qui n'avait jamais vu ni lu. Elle était en mode, mais j'ai envie de partir. On était tous les deux, genre, mais c'est quoi ce film? Genre, 11 euros par terre. Ça suivait tellement pas la DA d'Hercule Poirot, genre, le personnage ne correspondait tellement pas à la DA Agatha Christie. Et ça se voyait que c'était un film très américanisé. Genre, quand je dis qu'il y avait des scènes de sexe pour rien, c'est genre, elles sont là juste pour en mode, oh, regardez, il y a une scène de cul, mais ça ne servait à rien du tout, ça n'apportait rien. Bizarre, trop bizarre. C'était genre. Agatha Christie, ça a tellement cette essence britannique que là, le côté genre, venant, on a bien carrément beaucoup de trucs. Oh, non, voilà. Lisez-le, c'est très bien. Agatha Christie, c'est très bien, mais.
Et en plus, Sarah nous dit, en plus, il y a Gal Gadot, j'étais ultra déçue qu'elle serve juste à faire la plante. Oui, parce que de base, le personnage qu'elle joue est ultra important dans le scénar. Et c'est une femme qui se laisse pas faire, et genre... Enfin, le personnage est ultra badass. Gris et badass, et Gal Gadot, elle servait juste à regarder, il y a un nom connu, quoi. Sniff. Bon, bah, je ne recommanderais pas ce film, hein. J'arrêterai de dire que je l'ai apprécié. Non, la pauvre Béré peut faire, elle a encore un film, mais vraiment, genre, c'est arrêté. Oui, c'est vrai, mais oui, c'est vrai. On l'a dit qu'il était... Moi, j'ai bien aimé ce film. Bon, ça va. Moi j'aime bien les films un peu nuls des fois. Voilà. Non, mais on aime tous les nanars. Mais oh, mais écoute, ciné, chacun. Ah oui, non, on n'allait pas au ciné. Oula, dépensez pas des thunes pour ça. Hein. Voilà. Allez voir plutôt Le Crime à Venise, là, le dernier. Popo, on se sait. Il est très bien. Il était très bien. Il était très cool, c'est très Halloween. Je recommande. On adore Halloween. Halloween. Et non, sinon, comme autre lecture, je vais avoir aussi un peu dans le même style, un peu policier, suspense, etc. Mon grand classique personnel, Maman a tort, de Michel Bussy, que j'ai découvert il y a un petit moment par ma maman, qui a adoré le livre. Et en fait, c'est littéralement une histoire de disparition d'un enfant, en fait. Enfin, pas de disparition, c'est un enfant qui a perdu sa mère. Et il a une autre maman, mais il dit que c'est pas sa mère. En fait, on comprend pas trop au début, parce qu'il dit des choses qui sont pas cohérentes. Ses parents sont un peu genre, c'est mon enfant en fait, qu'est-ce qui se passe? Et on se rend compte petit à petit qu'il dit pas forcément des choses que incohérentes. Il y a une enquête de police en parallèle. Ça se passe au Havre, en plus, donc on aime beaucoup. Personnellement, j'ai de la famille au Havre, donc j'ai pu beaucoup situer la chose. Et franchement, le truc avec Michel Bussy, c'est que du début à la fin, enfin jusqu'aux dernières lignes, on sait pas ce qui va se passer. Tu peux difficilement deviner la fin, parce que littéralement, t'as des rebondissements qui sont absolument spectaculaires. C'est très poignant. Enfin, moi, je sais, quand je les commence, en général, j'ai du mal à m'arrêter. Parce que à chaque fin de chapitre, à chaque fin de page même, il y a des choses qui se passent, ça donne envie au fur et à mesure. Il écrit excessivement bien. Il a écrit énormément de livres, donc franchement, si vous aimez bien les trucs un peu à la Agatha Christie ou quoi, c'est un peu la même veine de suspense et de... on sait pas trop. Et non, franchement, Maman a tort, il est incroyable. Il y a d'ailleurs un téléfilm qui a été fait sur France 2, je crois, ou France 3, quelque chose comme ça. Enfin, France Télévisions, en tout cas. Qui est incroyable aussi, une superbe adaptation. Il a travaillé dessus, donc l'adaptation est vraiment fidèle. Et non, ouais, franchement, Michel Bussy... mon banger préféré, c'est mon auteur préféré de tous les temps. J'en coule. Il est incroyable. Et ouais, non, tout ce qui est suspense et tout, vous allez pas être déçus normalement. Enfin, j'espère. Parce que évidemment, je suis des choix un peu nuls. Mais voyons, enfin, il en faut pour tous les goûts. Oui, exactement. De toute façon, c'est le but. C'est vrai. Oui, et en plus, c'était le but du stream. C'était de diversifier et pour une fois, peut-être, ne pas parler de cadavres. Ah bah, avec moi, non. Non, je n'aime pas le... Enfin, j'ai peur de l'horreur, donc... Moi, c'est du pipou. On a parlé romance, c'était... Mais c'était ça. C'est de parler de tout, en fait, finalement, c'est l'objectif. C'est ça, ouais. T'avais d'autres lectures à nous recours ou pas? Un petit manga, au passage, qui est excessivement connu, mais tant pis. Fruit Basket. Voilà, mon tout premier manga de toute ma vie. C'est un shoujo en 23 tomes. C'est une série assez longue, je vous l'accorde. Et en fait, on suit une jeune fille au tout début, Toru, 15 ans, qui vit dans une tente, en plein milieu de la forêt, parce que sa mère est morte. Enfin, vient juste de mourir. Ça commence très bien. Voilà, non mais... En vrai, c'était sympa. C'est sympa. C'est pas la joie. Cheers. Non mais, oui, non. En vrai de vrai, c'était joyeux parce qu'en fait, il y a ce truc où Toru reste une éternelle optimiste et que malgré toutes les choses horribles qu'elle vit, c'est-à-dire qu'au début, comme je vous l'ai dit, elle est SDF, littéralement, SDF orpheline, un plaisir, elle garde le sourire. Elle garde toujours le sourire. Et en fait, sa tante finit par être écrasée par un effondrement, un glissement de terrain. C'est joyeux. L'habitat. Je me disais, non mais écoutez, après la mère, la tante, là j'en peux plus. Là, c'est non, pas non. possible. Sa famille du côté de son père ne voulait pas d'elle. Ah, c'est pour ça qu'elle vit dans une tente, c'est parce que sa famille ne voulait pas la recueillir. Voilà, une super vie.
Et donc, bah, elle se retrouve 100% SDF, genre sans même une petite toile de tente pour l'abriter. Et elle finit par tomber sur une maison en plein milieu de cette forêt avec, sur la terrasse, il y a des petites statuettes des 12 animaux du zodiaque chinois. Et elle les admire, et en fait, il y a un mec qui sort en mode « Coucou ma belle, t'es chez moi !» Elle mode « Pardon monsieur !» Et elle finit par venir vivre avec ce mec, Shigure, mon bébé. Un homme toxique, je tiens à préciser, un homme très toxique, ouais, mais on l'aime. On l'aime énormément. Et en fait, elle s'occupe bah, de faire le ménage, la vaisselle, elle fait à manger, etc. etc. parce que Shigure habite donc dans cette maison avec Yuki, un membre de sa famille, une sorte de neveu très éloigné, et Kyo, un autre membre de sa famille. Et en fait, on se rend compte que lorsqu'elle leur fait des câlins, ils se transforment en animaux. Et pas n'importe lesquels, les animaux des, les animaux des 12 signes du zodiaque chinois. C'était pas très français comme phrase. On a compris. On a saisi. On a l'idée. J'espère que vous avez compris. On a saisi l'idée. Et en fait, on se retrouve un peu bah, à suivre son quotidien avec cette famille, parce que on apprend que c'est la famille Soma qui est maudite. Donc, dès qu'il y a le sexe opposé qui fait un câlin à la personne maudite, la personne se transforme. Donc, bah, pas tellement les relations sociales, c'est très compliqué pour eux. Il reste beaucoup entre eux et on se rend compte qu'ils ont tous vécu des choses absolument abjectes dans un environnement plus que toxique. Que, enfin, la famille Soma, dans sa globalité, moi je la compare un peu à une secte. Oui. Je n'ai pas peur des mots. Je n'ai pas peur des mots. Je n'ai pas peur de le dire. C'est une secte. Mais ça traite d'énormément de problématiques. Bon, par exemple, trigger warning à balle pour tout ce qui est violence physique, psychologique, dépression, machin. Enfin, c'est pas la joie, hein. Franchement, c'est pas la joie. Mais je trouve que ce manga, il est extrêmement beau. Ah non, mais des rocos vraiment horribles. C'est pas la route du fun. C'est pas la route du fun. C'est pas du pain porn du tout. Non, non, c'est des trucs qui sont très bien amenés. C'est pas trash dans ce qu'on voit ou même dans ce qu'on peut lire. Mais c'est vraiment, on voit la souffrance pure et l'environnement toxique d'une famille, en fait. J'ai pas la ref du dessin. Moi non plus, j'ai pas la ref, professeur. J'ai Ranma 1 sur 2, mais pas... Moi, j'ai la ref. Moi, j'ai la ref du dessin animé, mais pas de Ranma 1 sur 2. J'ai la Jackie Chan. C'est un peu ça, hein. Oui, comme dit Popo, c'est mignon et dramatique. Dramatique. À la fin. Et il y a eu un remake en plus du manga et de l'anime, parce qu'en gros, il y a eu un anime au début des années 2000 qui s'est arrêté en plein milieu, un gros cliffhanger en plus. Ça, c'était mon enfance, tu vois. Exactement pareil. Le vieux anime. Et en 2019-2020, il me semble quelque chose comme ça, il y a eu un remake du coup de l'anime, donc plus modernisé, les dessins sont magnifiques. Les persos, ils sont canons. Franchement, ils sont canons. Je n'aurais que deux noms à dire, Shigure Hattori. Je ne dirais que ça, ceux qui savent, savent, les autres, profitez. Et du coup, les mangas aussi ont été réédités. Et ils ont fait des gros tomes, donc il y a beaucoup moins de tomes à acheter. Rémi sans famille. C'est pas la même chose. Kind of, Toru sans famille. Le personnage de Toru est comme ça. Voilà. Mais non, non, je recommence. C'est très beau, mais prenez une boîte de mouchoir avec vous. Voilà. Et l'anime est génial. Allez. Voilà. Non, on connaît plus ça. Ouais, vraiment. Non, ça va en vrai. Ouais. C'est vrai. Mais après, il y a des lectures sad qui justement te marquent et c'est pour ça que bah, tu les aimes, quoi, finalement. Et du coup, est-ce que tu as des. C'était tout pour tes recollections ou pas? Les lectures, ouais. Ouais. T'as des recovisionnages à faire? Oh là, énormément. C'est ça le problème. Je vais trier parce que je regarde énormément de films et de séries. genre beaucoup trop. Déjà, mais ça a parlé également à notre chère Jodie et à Margot, Heartless Cœur à vif sur Netflix. Oui, voilà. La nouvelle version. La nouvelle version, pas la version des années 80, mais The New One, qui du coup est disponible sur Netflix en 2 saisons. C'est assez court. Les épisodes, je crois qu'il y en a 8 par saison, quelque chose comme ça. Ouais. Les épisodes sont pas très très longs, c'est une 40aine de minutes. C'est incroyable, ça traite vraiment bah, d'un lycée, ça peut faire penser un peu à Sex Education, dans le sens où ça traite beaucoup de relations sexuelles, de machin et tout, et en fait on suit du coup un lycée, Heartless, c'est H-A-R-T-L-E-Y, tout à fait, cœur à vif. Bérénice, ouais, il y avait une version dans les années 80, ouais, ça c'est un remake, enfin c'est un remake, c'est un reboot, comme oui, c'est ouais. Un reboot, tout à fait. Et non, on suit vraiment une bande d'ados avec leurs tracas, avec toutes leurs questions de genre, de machin et tout.
mais sous-jacent de choses un peu plus dark, parce que on suit en gros le personnage principal, Emery, a une meilleure amie. J'ai plus son nom. Elle s'appelle comment la meilleure pote? Harper. Elle est magnifique. Comment l'oublier? C'est ça. Donc c'est un duo de meilleurs potes, et en fait arrive la rentrée et on sait pas pourquoi Harper a changé de look, fout une beigne à Emery et ne veut plus lui parler. Pourquoi? On ne sait pas. Et en fait, il y a des petits flashbacks où on voit quelque chose qui s'est passé à un festival. Mais on n'en sait pas plus. Donc il y a tout ça qui est sous-jacent. Et par contre, trigger warning de violence, pareil, un peu psychologique, dépression, genre sexuelle. Il y a beaucoup de triggers. Enfin, voilà. Mais elle est excellente parce que justement, elle traite de beaucoup de sujets. Qu'il y a beaucoup de personnes queer et LGBT dedans. Donc ça, gros point bonus, ça c'est génial, mais par contre, sans pour autant les dépeindre forcément comme des gens adorables, dans le sens où il y a un personnage non-binaire, qui est personnellement un de mes personnages préférés, mais qui n'est pas dépeint comme le gay-friendly super sympa, pas du tout. Yael est vraiment un être humain en fait, donc avec ses travers, avec ses mouvements d'humeur, avec ses côtés qui sont parfois unsafe à la mort. Ce qui fait du bien à voir. Ce qui fait du bien, parce que... Ouais, de fou, c'est une série où tout... C'est une série où, comme il disait Sacha là tout à l'heure, tu sais, t'as des grey characters, tu vois, genre les personnages gris, et du coup, genre, chacun a ses défauts, chacun a ses travers et tout, et c'est intéressant, quoi. C'est ça, c'est que tout le monde est gris, et que c'est pas genre le gay-friendly en mode « Ah, toute la communauté queer, tout le monde est mignon, tout le monde est gentil », pas du tout. C'est qu'il peut y avoir aussi des personnes toxiques dans la communauté queer, enfin, c'est vraiment des horizons très variés. Et non, franchement, je vous la recommande. Et Feel Good, elle se regarde très rapidement. Et j'ai déjà hâte de la saison 3. Donc, en série, il y avait ça. Un peu dans la même veine, genre teen série, il y a Ginny and Georgia sur Netflix également. Ouais, c'est trop bien, ça. Voilà, si vous connaissez pas, c'est génial. On suit, du coup, Ginny et sa maman Georgia. Et franchement, j'ai même pas envie de vous faire un résumé. Ouais, c'est trop dur. Parce que c'est compliqué à résumer. Ouais, de fou. Mais littéralement, on suit le quotidien d'une famille un peu fucked up. De deux nanas de générations différentes, hein, fatalement, vu que c'est une mère et sa fille, mais qui ont toutes les deux des problématiques très distinctes, et en fait, je trouve que c'est vraiment le combat des femmes d'aujourd'hui de s'émanciper, de montrer qu'elles sont là, etc., et sous-jacent de beaucoup de sexisme, hein, à certains moments, mais aussi de troubles mentaux, encore une fois. Oui, j'ai des fixettes sur les troubles mentaux et les personnes queer. Tout à fait. Tout à fait. C'est ma représentation. Je m'identifie parfaitement. On s'identifie un peu. On s'identifie parfaitement. Mais ouais, non, littéralement, ça parle beaucoup de ça. Je sais que j'ai vu les deux saisons au moins 4 fois chacune. Une petite obsession. Je connais les épisodes par cœur. Je pleure toujours au même moment. Par exemple, mini spoil, entre guillemets, il y a tout un épisode qui traite de dépression. Et en fait, c'est un peu narratif. Bon courage, parce que ça prend par le col, et la série est très bien écrite, parce que vraiment, ça nous parle, mais très fort, et ça nous crie limite dans les oreilles, tellement c'est parlant. Elle est cool, cette série. Elle est géniale, cette série est géniale, et en plus, elle est très drôle, c'est malgré vrai. Tout. Encore une fois, hein, les persos sont absolument magnifiques, hein, Georgia, mes mommy issues reviennent avec elle, elle est sublime, cette femme est divine. Et voilà, donc Ginny and Georgia sur Netflix, 2 saisons. Ouais, c'est assez rapide à regarder. C'est très rapide. Et sinon, en film, je vais être le cliché de la meuf qui aime tout ce qui est romantique et comédie musicale. Sarah, je pense à toi quand je dis ça. The Greatest Showman, avec Hugh Jackman, produit par Hugh Jackman, qui est assez connu. Et c'est un banger absolu. Voilà, les chansons sont géniales, le casting est génial, il y a Zendaya, Zac Efron, Hugh Jackman, enfin, que du beau monde, ça chante, ça danse, ça sème, ça fait du cirque, parce que ça se passe dans un cirque de freaks, enfin vraiment c'est les prémices du cirque en fait. Bon, il faut savoir que c'est inspiré d'une histoire vraie, ça suit pas du tout l'histoire, parce que normalement les freaks n'étaient pas aussi bien traités à l'époque, mais là ils sont très bien traités donc on apprécie. Et c'est vraiment un film qui prône l'acceptation. Oui. Ouais, on va parler français ici. L'acceptation, le vivre ensemble. Et je sais que c'est un film que j'ai vu quand j'étais assez jeune. J'étais au lycée, en première, il me semble, un truc comme ça. Et qui m'a beaucoup parlé.
pour tout ce qui est se sentir reconnu, de se libérer un peu des chaînes, du harcèlement, de machin. Et je pleure à chaque fois pendant ce film. Il est très émouvant, il est très beau. Franchement, les chansons sont superbes. Il y en a pas mal pour une comédie musicale, mais elles sont très bien amenées. Donc je vous recommande. C'est sur Disney+, et Prime Video si jamais ça vous intéresse. The Greatest Showman. Voilà. C'est très pipouf. Après un petit film d'horreur recommandé par Jodie, une petite dose d'amour ne ferait pas de mal. Voilà. Pour vous remettre de Winnie Blood and Holly, n'hésitez pas. Si tu aimes les comédies musicales et les séries qui abordent un peu les questions de santé mentale, je te conseille de jeter un œil à Crazy Ex-Girlfriend. C'est dans ma liste. C'est dans ma liste. Merci beaucoup. J'avais déjà vu passer. Je comptais la regarder. Ouais. Mm-hmm. J'ai beaucoup de choses à regarder en ce moment. Donc je finis. Elle a une watch list, je vous dis pas. Ah, oula, comme ça, oula. C'est vraiment genre un grand femme. Oui, il y a certaines choses à cause de Sacha, hein. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que souvent, effectivement, on se recommande des trucs et du coup, en fait, ça déborde. Ça ne fait que augmenter. Ça ne fait que augmenter. Parce que là, déjà, on est arrivé à faire beaucoup de recos chacun de côté, mais dites-vous qu'après, on se les recours entre nous. Ouais. On en a beaucoup à lire. Et là encore ce soir, finalement, je découvre des trucs dont je n'avais pas eu le retour, vous voyez, auparavant. Donc encore plus de recommandations finalement. Mm-hmm. Ça n'en finit plus. Eh bien, merci beaucoup, Béré. De rien. Je te fus très intéressant. Très intéressant. Ce sont des personnes extraordinaires, des recos extraordinaires. Mais nous n'en avons pas fini. Nous avons une dernière invitée ce soir. Une dernière invitée. Et on est entre nous, on est ensemble. Une dernière invitée que je vais appeler, du coup, et que vous allez avoir en visio avec nous. Comme si on l'avait en visio nous aussi, ça fait plaisir. Je ne peux pas vous la mettre sur le Discord parce que j'ai pas fait mes réglages avant. Donc en fait, ça va juste vous défoncer les oreilles puisque vous allez avoir un double retour. Voilà. Je suis une streameuse en carton, j'ai roté aussi. Hein. Je suis une streameuse en carton, je vous le rappelle, donc évidemment, forcément. On n'a pas tous les réglages, on va pas se mentir. Mais on va l'avoir en visio. On va l'avoir en visio, puisque je l'appelle de ce pas. C'est Pauline, du coup. Pauline, qui aussi va nous faire des recos. Bonjour. 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 Dis bonjour à Pauline. Bonjour Pauline. Vous avez mon retour cam en plus aussi, c'est très drôle. Voilà, c'est très drôle. Waouh. Ouh. Ben, un petit peu là ce soir, hein. Un petit peu j'ai envie de te dire. Hein. Nous avons Popo qui est avec nous, qui est une super amie à moi aussi, extraordinaire, également libraire. Voilà, également libraire. Et qui du coup va vous recommander des petits trucs aujourd'hui. Donc pareil, des petites recommandations lecture, des petites recommandations séries, films, tout ça, tout un tas de choses. Est-ce que tu peux, Popo, te présenter un petit peu à tout le monde pour que les gens te connaissent? Oui, je peux me présenter. Eh bien, pour faire dans l'originalité des invités, je suis encore libraire. Encore libraire manga. Un profil se dessine. C'est full originalité ici. Un profil se dessine. Voilà, si je ne suis pas avec tout le monde ce soir, c'est parce que j'ai déménagé très loin. Et donc, je ne suis là qu'en FaceTime. Malheureusement. Mon bébou. Mais je suis très contente d'être là ce soir. Ma sélection, j'ai dû la faire avec des livres que j'avais chez moi pour vous les présenter quand même. Et comme tout est en carton, eh bien, c'est très chouette. Voilà. Mais je peux mettre l'image si t'as pas les trucs en format, si tu veux. C'est comme tu veux. Il y a peut-être une BD où il faudra montrer des images parce que vraiment, c'est... Et je sais que Margot, elle va savoir de quoi je vais parler parce qu'elle en a pas parlé, donc j'en profite. J'ai fait exprès. Et oui. Et donc, je sais pas avec quoi je commence. Je vais commencer avec ce que j'ai. Ouais. Donc ça serait... Est-ce que tout le monde m'entend, du coup? Oui, là, tout le monde t'entend. Là, ça fonctionne et tout au niveau du micro. Je le vois sur le retour stream. Tout va bien. Incroyable. Eh bien, alors, je n'ai que le tome 9, donc vous vous contenterez du tome 9. C'est Colune. Incroyable. Incroyable. C'est incroyable. C'est une histoire
histoire qui se passe en Chine, c'est plutôt rare dans les mangas. Enfin, il y en a, mais c'est pas la majorité. Et donc, c'est très chouette. Ça se passe dans un quartier qui existe réellement au Japon, qui s'appelle Kowloon. C'est vraiment des grandes tours où c'est vraiment un quartier dans des immenses HLM. Et on va suivre cette jeune femme-là, qui est agente immobilière pour ce quartier-là. Sa petite vie tranquille avec ses restos. Sauf que bah, si c'était que ça, ça serait chouette, mais c'est aussi de la SF. Et ce quartier a une particularité que je ne vous dirai pas, parce que... pas spoiler, no spoil ici. Et donc ça va être sa vie à elle, son collègue dont elle est amoureuse, mais qui semble un peu distant avec elle. Elle s'étonne un peu. Est-ce qu'il m'aime vraiment? Est-ce qu'il ne passerait pas quelque chose en dehors? Et c'est très très bien. C'est très voilà. Chouette. Et les dessins sont magnifiques. Je vous ai amené des petits dessins. Et j'ai même un merveilleux exemplaire de cette merveilleuse personne, parce que j'adore l'autrice, il faut le savoir. C'est Dan. Waouh! Oh, c'est trop beau, c'est et trop voilà, beau. Je suis très fan de ses dessins et le personnage de Reiko est merveilleuse et magnifique et on a envie de la regarder tous les jours. En vrai, elle est trop bien. Alors, j'ai essayé de faire un effort dans mes goûts parce que je sais que je suis aux antipodes de jeu 2 qui lit énormément d'horreur. Mais c'est ça qui est intéressant, et justement. Même les tranches de vie nulles, il se passe rien. C'est ça qui est intéressant, justement, tu vois, c'est diversifié un petit peu, tu vois, c'est ce que je disais, qu'on ne parle pas de cadavres pour une fois dans un stream, tu vois, bon, écoute, c'était diversifié un peu, bon, voilà, c'est le but. Bon, écoute, je vais te faire plaisir un moment, mais pas pour l'instant. Oui, t'as oui. Évidemment, on a une très chaude Margot, je vais te parler de Keigo Shizuo, évidemment. Qui est l'un de mes auteurs de manga préférés, si c'est mon mangaka préféré. Encore une fois, c'est un tome 6. Vous l'aurez compris, le tome 1 est dans un carton. Oui. D'où le tome 6. Tout à fait. Ici, on est sur un jeune homme, un trentenaire, qui n'a pas trop envie d'avoir un travail normal dans la vie. Il enchaîne les petits jobs et ça lui convient très bien. Il va faire la rencontre d'une mamie avec qui il va devenir très ami. Cette mamie qui va décéder et lui laisser sa maison. Et on arrive dans cette histoire où il va vivre dans cette maison-là avec sa nièce qui débarque à Tokyo pour faire des études. Elle, son rêve, c'est d'être mangaka. Malheureusement, tout le monde ne peut pas devenir mangaka, donc on va la voir galérer dans la vie, galérer à se faire des amis, et lui galérer un peu dans sa vie de mec qui travaille dans un stand de pêche. Avec un meilleur ami plutôt bancal qui va devenir papa... Et donc, ça va être leur petite vie à eux, leurs déceptions, leurs amours, et c'est de la tranche de vie qui me donne envie de respirer tous les jours. Trop bien. Et c'est très mignon, et c'est vraiment une bouffée d'air frais dans la vie. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on voilà. veut. Magnifique. Je vais pas parler que de bouffée dans la vie, mais le vendeur du magasin. Oui. Incroyable. Et c'est génial. C'est trop bien. C'est amazing. Ensuite, je vais te faire un petit peu plaisir. Je vais parler de Dracula. Il faut que je le lise, celui-là. Il faut que je le lise. On me le recommande tout le temps. D'œuvre du manga. Les dessins sont somptueux. Je vais essayer de vous faire des petits. C'est vrai que les dessins, ils ont l'air magnifiques. Ouais, c'est vrai en plus. Oui, c'est vrai. Ah, les dessins, alors, ils ont l'air cool de fou. Shinichi Sakamoto. Les dessins sont très travaillés. Ah oui! Oui! Et si on est sur l'écriture du coup de Dracula, hein, tout simplement. Bon, alors Dracula ressemble un peu à Michael Jackson. Je ne vois que Michael Jackson en ce Dracula, mais je trouve ça. Excusez-moi, mais c'est Michael Jackson.
Il y a une ressemblance. Il y a une ressemblance. Et donc, bon, tout le monde connaît à peu près Dracula, il y a un bateau avec des personnes à l'intérieur qui sont contaminées, le bateau arrive en Angleterre, et on va suivre en parallèle de ce bateau qui débarque en Angleterre, qui semble grouillé de créatures étranges. Des jeunes à l'école, on comprend pas trop, ils sont soit amis, soit pas amis, il y en a un, il n'a clairement pas de sexe, et ça c'est aussi très chouette, c'est soit Luc, soit Lucie. Tout le monde s'en fout, c'est pas la principale question de ce manga. On va suivre une fille aussi qui est dans une école où il n'y a que des garçons, donc on comprend pas. En fait, tout est fou, tout est bien, tout est mystérieux, et tout est glauque. Intéressant. Voilà. Très intéressant. C'est superbe. Je le répéterai jamais assez, mais c'est dingue. Il y a des planches super dedans. Ah, c'est vrai que c'est beau, hein. Dans les tomes, plus c'est what the fuck et onirique, mais moi personnellement j'adore. Mais ça a l'air trop bien, il faut que je le lise. Ouais, il y a plein de gens qui m'ont dit de le lire, donc il faut grave que je m'y mette. Ouais, ouais, franchement c'est trop bien et j'aime beaucoup. J'ai le tome 3 là qui est sorti la semaine dernière. Ça a l'air banger. Toujours aussi bien. Ouais, ça a l'air vraiment vraiment cool ça. Trop trop bien. Ouais. Petite dernière reco, j'ai lu dernièrement en BD la trahison de d'Olympe. Trahison d'Olympe. Est-ce que c'est là où il faut que je mette la photo, Popo? Oui. Ok. Note. Alors, hop. Par Jandal. Jandal? Jandal? Ah, attends, je vais te dire. Je le mets, attends, là. Jandal? C'est Jandalin. Jandalin. Ah, Jandalin. Bien, hein. Oh bah bravo Jean, voilà, d'Alain. Alors ici on est sur des dessins complètement what the fuck, grandiloquents, où on se perd dans toutes les pages, où parfois les personnages sont ridiculement petits comparés à l'espace où ils sont, et pourtant ils sont dans une seule et même entreprise, où on va suivre un mec qui est postier, facteur, et il arrive dans une entreprise qui était tenu par le grand homme inventeur qui a révolutionné les inventions de ce siècle-là. On ne sait pas trop où on se situe. Il décède et lui, il vient, en tout cas de ce qu'on comprend, pour une lettre à sa femme qui a récupéré cette gigantesque entreprise. Donc il arrive et ils vont se perdre dans cette entreprise pour donner enfin cette lettre. C'est le tome 1, donc pour l'instant on n'a toujours pas vu grand chose de qu'est-ce que contient cette lettre, ni de la personne qui doit recevoir cette lettre. Je ne vous spoil pas une partie de l'histoire qu'on comprend très vite dans la BD, mais c'est vraiment un chef-d'œuvre. Je sais que Margot pourra aussi en parler, mais les dessins sont magnifiques, c'est coloré, et parfois les personnages sont plusieurs fois sur la même planche, tellement en fait la planche est grande, et on les voit évoluer tout autour de la planche. On n'est pas non plus perdu, parce qu'avec les bulles on comprend très bien où sont les personnages, et ça en fait aussi sa force. C'est l'une des rares BD où vraiment j'ai été scotchée et j'ai regardé ma page pendant plusieurs minutes d'affilée. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est coloré. Je suis libraire manga, d'accord, j'en ai un peu marre du noir et blanc parfois. et donc là, c'était très très chouette. Mais ça a l'air cool, ouais. Les planches sont très belles en tout cas. Il y a vraiment un effet de déambulation dans la BD. On suit les personnages vraiment au fil des pages dans une usine où on comprend que dalle. Et c'est foisonnant, en fait, il y a 1000 détails, tu pourrais passer une heure sur chaque page. Parce que, par exemple, il y a des pages où tu as une centaine de bureaux dessinés. Et en fait, si tu t'attardes sur chaque bureau, tu vas voir qu'il y a des scénettes, en fait, qui sont créées à chaque fois. Donc, c'est une BD qu'on pourrait lire en 5 heures, au final, c'est tellement il y a de choses à regarder. Et c'est trop beau. Mais ça a l'air très joli, ouais, moi, je trouve aussi. Les dessins sont très cool. Ouais, non, c'est vraiment magnifique. Puis c'est un peu une sortie que personne n'attendait vraiment. Et pour autant, j'ai vraiment été scotchée par la BD. De bien belles recos, dis, hein.
De bien belles recommandations, Pauline. Et est-ce que t'as des... t'as... c'est bon pour tes rocolibres ou t'as d'autres petits trucs à nous conseiller ou c'est tout bon? Oh, ben, je pourrais continuer toute la nuit, mais... Et sinon... Ceci dit, juste un petit shout-out pour l'édition Pref que j'ai rencontré le week-end dernier à Paris qui fêtait leurs 20 ans. Noces d'or et de... Les noces c'est de l'or et de l'eau. C'est l'histoire entre deux pays qui se détestent et pour contrer ça, ils ont mis une espèce de règle où le pays A doit donner la plus belle des femmes et le pays B doit donner le plus intelligent des hommes pour qu'ils se marient. Le pays A évidemment envoie un chat, le pays B envoie un chien à la place. Sauf qu'en fait, ces deux jeunes gens vont vraiment se rencontrer, vraiment tomber amoureux et ça va être une histoire en un tome, c'est très court. Ah, c'est un one-shot. Les dessins changent aussi du manga traditionnel, en tout cas, qui se fait aujourd'hui. Et j'ai adoré. Et tu peux nous montrer quelques dessins ou pas? Oui, bien sûr. Je peux. Je ne suis pas youtubeuse cadreuse. Ah oui, c'est très joli. C'est très joli. On voit très bien. Et ça, je l'ai en poster parce qu'il l'offrait au pop-up store, du coup. Cool. Je suis très contente parce que c'est magnifique. Trop cool. Voilà. De bien belles recommandations encore. Hein. Et très diverses, qui plus est. Très diverses. C'est intéressant. Même si je lis principalement des trucs pipou. Ouais, mais c'était grave intéressant. C'était plein de trucs différents. C'était cool. Et il y a un truc, et vu que tu le reco, du coup, je me dis qu'il y a un truc, il faut que je le lise encore plus. Voilà. Non, c'est bon. Faut que je lui mette. Faut que je lui mette. Et t'as des reco visionnage ou pas, Popo? Shrek. En fait, oui, j'ai je me suis dit qu'il fallait que je le dise parce que sinon, c'était pas moi. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Non, mais si t'avais pas dit Shrek, franchement, j'aurais été un peu choquée, je vais pas te mentir. Je me serais dit, attendez. Quoi? Quoi? Deuxième reco est en toilette. Non, je déconne pas. J'ai fait chier peut-être là, c'était là. Je reco évidemment mon film préféré de tous les temps qui est Amélie Poulain. Si vous ne l'avez pas vu, eh bien il faut le voir. C'est une pépite du cinéma que j'aimerais de la vie de la mort toute ma vie et que je regarderai toute ma vie. Voilà. Sinon, je ne serais pas moi non plus si je ne vous conseillais pas un merveilleux drama. Alors, évidemment. Avec, parce que pour l'anecdote, Popo, alors, a une telle culture drama. Moi, oui. qu'on avait fait une soirée où on nous avait préparé un PowerPoint et il y avait des rocodramas. Mais attendez. Pas un simple PowerPoint. Non. C'était un PowerPoint avec des rocodramas par catégorie, par thématique. Abordé dans le drama et tout, et elle avait fait les petites étoiles et tout, les petites recos machin et tout. Vraiment, on est face à quelqu'un qui a une culture drama. Combien de slides? Il y avait combien de slides ouais, sur ton PowerPoint déjà? Il y avait plus de 115 slides. Ah oui, ouais, c'est ça. Moi je l'utilise encore tous les jours. On s'en sert toujours, hein, sachez-le vraiment. On s'en sert toujours quand on doit regarder un drama, on se dit ah ben si on est sur ce slide, regardez quelques petits trucs. On s'en sert encore. Voilà. Désolé Popo. Je t'ai coupé, mais c'est parce que c'était important de le signaler. Hein. Ça va. 200 slides. J'ai quand même mis plus de temps sur ce PowerPoint que sur mon mémoire, donc c'est à notifier. Ah écoute, ça en valait la peine. Mais du coup, je ne pourrais jamais choisir un drama à regarder, mais je peux vous dire le dernier que j'ai adoré, que j'ai fini hier soir. C'est sur Netflix et ça s'appelle Love Next Door, que je vais vous rajouter sur le PowerPoint d'ici très bien, pas très, très bien, longtemps. Très bien. Impeccable. C'est trop bien. Ça parle d'une jeune fille, enfin une jeune fille pas du tout, elle a la trentaine. Enfin, elle a le... ça reste jeune. En fait. D'une trentenaire qui vrai, a une carrière folle aux États-Unis et qui du jour au lendemain elle va se fiancer et pour autant elle quitte tout, elle revient en Corée. Et au début on comprend pas trop qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que son fiancé l'a trompée, est-ce que ça ne se passait pas bien au travail. Et ça va être l'histoire de cette fille-là, de son amie d'enfance qu'elle va retrouver,
Et de sa famille à elle, de sa famille à lui, de sa meilleure amie à elle. C'est trois enfants qui ont toujours grandi ensemble. C'est chouette, c'est beau, ça parle de santé mentale, de santé tout court. C'est très mignon, j'ai autant pleuré que ri en le regardant. C'est 12 épisodes, 12 épisodes de bonheur. Voilà. 12 épisodes de pur kiff en fait. C'est la kiffante, voilà. T'étais sur l'autoroute du kiff, elle nous dit elle était sur l'autoroute du kiff. Quoi. Voilà, finalement. Pas un visionnage. Quoi. Comme ça, wait, wait. Allez, hop là! Ça démarre à 115 km/h sur le tour du kiff. Alors là, c'est tout cadeau. On est sur Jean-Luc. Mais que de magnifiques rocopopo. Merci beaucoup. Hein. Merci, papa. Regardez, regardez encore cette personne extraordinaire. Regardez-la. Elle est trop belle. Regardez cette beauté. Regardez-la. Regardez-la. Elle est très à l'aise. Elle est incroyable. Voilà, c'est très gênant ce que je viens de faire. Je suis désolée. Je t'aime. C'est extrêmement cringe. Mais je t'aime, je t'aime. On t'aime, Popo. Je t'aime. Merci beaucoup pour ces rocos. Moi, moi, moi. Je vous fais de gros bisous. Gros bisous. Gros bisous, Popo. Eh bien, voilà. Que dire, que dire que... Sans condition. Sans condition. C'est que match to pitch to en fait. Et bien voilà, le match to pitch to. Il n'y avait pas de transition. Voilà, salut, je suis Josiane Pichet. Alors, aucune transition pour cette fin. Vraiment, quand je vous dis la streameuse en carton ever, aucune transition, aucune transition. Voilà, voilà. Du coup, j'espère que ce stream vous aura plu. C'est un petit stream recommandation. J'avais envie avec mes potes, vous recommander des trucs et que ça change un petit peu d'habitude, que justement vous ayez... Cheveille. Bisous, popo, cheveille. Et du coup, que vous ayez des recos un peu différentes de habituellement, évidemment, puisque bon, je ne lis pas que ça, mais principalement quand même, vous avez beaucoup d'horreur sur cette chaîne et ici, en fait, enfin, partout, de l'horreur, partout, sans arrêt. Donc du coup, évidemment, bon, il n'y avait pas que des sujets, oui, c'est vrai, partout, il n'y avait pas que des sujets folichons, mais justement, c'est intéressant de voir des recos d'autres genres et tout. Donc c'était vachement chouette, j'espère que ça vous aura plu aussi. Je mettrai sans doute le replay du coup de ce stream sur YouTube, évidemment, puisque comme d'habitude pour les streams, je sais que vous ne pouvez pas être là tout du long, qu'il y en a qui sont là de manière parcellaire, qu'il y en a qui sont là pendant une heure, etc. Et que bah, forcément, vous n'êtes pas là tout du long. Donc les streams que j'ai envie de vous mettre en replay, je les mets en replay. Celui-là, je pense qu'il sera en replay puisque je l'ai enregistré. Donc il sera en replay sur YouTube. Merci beaucoup. Merci, je vous aime. Je vous aime, je vous love. Voilà, c'est que du bonheur, c'est que de l'amour pour moi de faire un stream avec des gens que j'aime, du coup qui vous présentent un petit peu les petits trocos. Merci à vous encore une fois d'avoir été là, ça faisait trop plaisir. Merci pour vos petites interventions, d'avoir été là. J'espère que vous trouverez de belles petites recolectures dans tout ce qui a été présenté du coup ce soir, et il y en a pour tous les goûts. Donc voilà, j'espère que vous trouverez un petit peu de tout. On se revoit comme d'habitude la semaine prochaine, du coup le jeudi soir et le dimanche. Voilà, on fera des petits Read With Me, je vous ferai l'update de ce que j'ai lu pour l'instant au mois d'octobre. Vous allez voir, c'est pas extraordinaire. Le mois d'octobre pour le moment, voilà, mais c'est pas grave. Il y a des mois comme ça, mais enfin. Bon, voilà, mais je vous montrerai quand même. Je vous aime fort, gros bisous, avec plaisir, Popo, merci d'avoir été là, vraiment merci beaucoup, Popo, d'avoir été là. Gros bisous, bonne nuit à tous. Qui a un compte Instagram. Ah oui, d'ailleurs, Popo, oui, qui a un compte Insta, Popo, qui s'appelle, alors, la Cité du Livre. C'est la Cité du Livre. Je vais essayer, je vais trouver du coup le pseudo, comme ça je vous le mets dans le chat vite fait là, parce qu'elle a aussi du coup un Insta où en fait elle parle de livres. Donc je vais vous mettre vite fait, ouais c'est bon, je l'ai. Alors du coup je vais vous l'écrire ici, donc ici comme ça vous l'avez dans le chat aussi, son pseudo, puisqu'elle a aussi un compte, du coup elle a aussi un... Oui, ça fait longtemps qu'elle a pas posté, mais on met quand même son compte, parce que peut-être que ça peut, du coup, inciter Popo à poster un petit peu. Voilà, et ça, ça nous fait toujours plaisir. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Donc, voilà, ça, c'est le pseudo, du coup, de Pauline sur Instagram, si vous voulez aller la suivre, sur son petit Insta. De toute façon, là aussi, comme la vidéo, du coup, sera en replay très certainement sur YouTube, je mettrai leur petit pseudo à tous en barre de description, comme ça, vous pourrez aller les suivre. Sauf Béré, à quand le Bookstagram? Oula,
Après, si vous voulez discuter de livres, il n'y a pas de souci. Hein. Cinéma, série. Ouais, c'est vrai, ça. C'est vrai, parce qu'en vrai, effectivement, oui, toi, t'as un peu de tout, là, pour le coup. Oui. Mais ouais, donc n'hésitez pas à aller suivre ces personnes extraordinaires, bien sûr. Et puis, j'espère que ça vous aura plu. On vous fait d'énormes bisous. Merci à tous. Merci à très bientôt. Gros bisous. Peut-être que vous reverrez ces merveilleuses personnes, bien sûr. Pour un autre live un autre jour, on sait pas, pourquoi pas, tiens. Et puis, gros bisous, bonne fin de soirée à tous, gros bisous. Bisous. Bisous.